Et c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes encore dans la foi ce soir, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour cette journée. Merci de ce que tu as été avec chacun de nous. Merci de ce que tu as permis à chacun de nous de vaquer à ses occupations. Et malgré tout ce que nous avons eu toute la journée, tu nous permets encore ce soir d'être dans ta présence. Nous voulons te dire merci. Ma kelebocha. Merci Seigneur. Merci. Merci, merci. Nous voulons abonder en actions de grâce. Mon frère, ma soeur, là où tu es, n'hésite pas à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci, commence à lui dire merci là où tu es, Makalebosha. Il y a tellement de sujets, tu sais toi-même ce qu'il a fait pour toi, Makalebosha. Alors là où tu es, ne sois pas avare en action de grâce, Makalebosha. Élève ta voix et dis-lui merci. Nombreux sont dans les hôpitaux ce soir, nombreux ne peuvent pas être dans sa présence ce soir, mais lui nous fait la grâce ce soir d'être là où nous sommes, Makalebosha. Nous voulons être reconnaissants, Makalebosha, Balebosha. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Maelebosha. Reskelebosha, rien n'est acquis, tout n'est que grâce, Makalebosha. Leko, Maelebosha, Elebaska, Malebosha. Yekelebosha, Mamalebosha, Marabaskelebosha. Tendre Père, reçois d'excellentes actions de grâce ce soir, Makalebosha. Nous te rendons. Reboska malebosha, d'excellentes actions de grâce. Malebosha, toska malebosha. Yelebosha, malebosha, maleboska malebosha. Yaka malebosha, teleboska malebo, yada malebosha. Lekebosha, ta malebosha. Lebosha, ta. Yekelebosha, ta malebosha. Yaka babalebosha. Yaka lebosha, ilebosha. Mon frère, ma soeur, abonde en action de grâce. Maka lebosha. Il y a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons lui rendre excellente action de grâce. Seigneur Père, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Maka lebosha. Lekebosha, tama lebosha. Merci pour ton amour pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu t'es donné toi-même en sacrifice, Seigneur. Maka lebosha. Nous n'avons rien mérité, mais tu t'es donné pour nous. Maka lebosha. Nous te disons merci pour cela. Maka lebosha. Merci pour qui tu es, Makalebosha, Maleboska. Yelebosha, Tamalebosha. Yekelebosha, Tamalebora, Elebosha. Yaka Malebosha. Merci pour ta main de grâce qui demeure sur nous. Merci de ce que tu veilles sur nos jours et nuits, Makalebosha. Nous te disons merci, Makalebosha. Nous te disons merci, Makalaba Elebosha. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce, Makalebosha, Malebosha. Lekebosha, Tsa, nous sommes reconnaissants ce soir, Makalebosha. Lekebosha, Tsa, Malebosha. Yaka Malebosha, Tuleba Elebosha. Yelebosha, Tsa, Malebosha. Merci Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Maintenant que nous avons rendu grâce à Dieu, nous voulons maintenant honorer le Saint-Esprit, nous voulons honorer sa présence. Il est là par son esprit, nous voulons l'honorer, nous voulons lui dire de prendre le contrôle de ce temps, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Makalebosha, Lekebosha, Saint-Esprit, sois honoré. Makalebosha, nous t'honorons, nous honorons ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Makalebosha, prends toute la place. Makalebosha, prends toute la place. Makalebosha, Esprit de Jésus, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que sans toi, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Alors ce soir, nous te disons, prends toute la place. Prends toute la place. Viens nous conduire. Viens nous inspirer. Viens parler au travers, Seigneur. Makalebosha, Malebosha. Viens parler, Makalebosha, chacun de nous. Marabalebosha. Lekebosha, Malebosha. Sois honoré, Makalebosha, Malebosha. Makalabarelebosha, Tamalebosha. Nous t'honorons, nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, Makalebosha, Malebosha. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Nous voulons que tu prennes toute la place, Makalebosha. Nous voulons que tu fasses ce que tu as prévu ce soir, Makalebosha. Nous voulons que tu prennes toute la place, Makalebosha, Yelebosha, Malebosha. Yelebosha, Malebosha, Malebosha, Yelebosha, Malebosha. Honoré. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Esprit de Dieu honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, ô Saint-Esprit honoré,
Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Esprit de Jésus honoré. Tu es honoré, oh, tu es honoré, eh, tu es honoré, désiré, désiré, tu es désiré, tu es désiré, oh, tu es désiré, Saint-Esprit, désiré, eh, tu es désiré, oh, tu es désiré, eh, tu es désiré, Esprit de Dieu, désiré, oh, tu es désiré, eh, tu es désiré, eh, tu es désiré, prends toute la place, désiré, eh, tu es désiré, eh, tu es désiré, eh, tu es désiré, Saint-Esprit, désiré, eh, tu es désiré, oh, tu es désiré, eh, tu es désiré, recherché, recherché, oh, tu es recherché, eh, tu es recherché, eh, tu es recherché, Saint-Esprit, recherché, oh, tu es recherché, eh, tu es recherché, eh, tu es recherché, Saint-Esprit, recherché, eh, tu es recherché, oh, tu es recherché, eh, tu es recherché, Makalebo Shaya, recherché, eh, tu es recherché, oh, tu es recherché, eh, tu es recherché. Véritablement, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous allons continuer de soupirer, vraiment demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps de prière, également de ce temps de la parole, vraiment que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, parce que nous avons besoin de lui, que sans lui nous ne sommes rien, sans lui nous ne pouvons rien faire, sans lui tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Nous voulons vraiment reconnaître notre incapacité sans lui. Makalebocha, ô Saint-Esprit, nous reconnaissons notre incapacité sans toi. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes perdus. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi tout ce que nous pouvons dire est vain. Que sans toi, Seigneur, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous te désirons davantage. Nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce temps de prière. Que tu viennes prendre le contrôle de ce temps, Seigneur, de la parole, Seigneur. Que tu viennes prendre le contrôle de tout. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, prends toute la place. Prends la place qui t'est dû. Prends la place que tu mérites. Prends la place, Seigneur. Makalebocha, malebosca, malebocha, rose, kamalebocha, yekelebocha, tamalebocha, yekerebocha, tamalebocha, lekeboras, kamalebocha, yekelebocha, malebocha, yoko labara, yelebochaya. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous voulons être remplis de toi. Remplis-nous davantage. Makamaleboshe. Yekereboshe. Tamaleboshe. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Makaleboshe. Lekeboroshe. Yamaleboshe. Sature l'atmosphère de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Que partout où nous sommes, Saint-Esprit, que la présence de Dieu soit manifeste. Que ta présence soit manifeste, Makalebocha. Que l'atmosphère change maintenant, Esprit de Dieu. Que l'atmosphère change maintenant, Makalebocha. Yekereboshento, Yakamalabara elebochanta. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ne voulons pas commencer sans toi. Ne voulons rien faire sans toi. Prends toute la place. Prends toute la place. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Yekelebocha, tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Makamalebocha, tu es notre avantage. Makalebocha, tu es notre avantage. Makalebocha, yekelebocha, tu es la clé des clés. Maraba elebocha, oh makalebocha, yekelebocha, tamalebocha. Yakamalebocha, prends toute la place, makalebocha. Prends la place qui t'est due, Mara elebocha. Yakamalebocha, yekelebocha.
Yakaraba et les Boshanta, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre incapacité, Makalebosha. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons même pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. À plus forte raison, parler de ta part. À plus forte raison, conduire un temps de prière. À plus forte raison, Makalebosha, Malebosha. Faire ta volonté, Makalebosha. Yokama labara et lebosha. Yekereboshente. Yerebo Shantama, Yakamalebosha, nous nous soumettons, Marabalebosha, Yekelebosha, nous nous effaçons, et toi prends toute la place, Makalebosha, prends toute la place, Kayeleboshama, Yekerebo Shanta, Yakamaralebosha, Yerebo Shanta, Yerebo Shanti, Yakamalebosha, Malebosha, Yekelebosha, Yekerebo Shenteres, Kelebosha, Yerebo Shanta. Prends la place qui t'est due. Prends toute la place, Makalebosha. Prends toute la place, Kamalebosha. Que la chair se taise, que nos âmes se taisent et que seul toi, tu puisses parler au Esprit de Dieu. Makamalebosha. Yekereboshanti. Yakarababalebosha. Yekereboshama. Yekereboshentereskelebosha. Yakamamalebosha. Yekeboshantoskaye. Lekereboshanta. Yereboshanta malebosha. Yekerebo chante le bosca balebosha. Yekerebo chente le boschanta. Yakaba balebosha ya. Konra et le boscha malebosha. Soit honoré ma et le boscha. Soit honoré ma maman et le boscha ya. Yekerebo chaya baba balebosha. Yekerebe chentoska malebosha. Yekerebosha. Nous continuons d'honorer le Saint-Esprit. Makalebosha. La karama et le boscha. Yekerebo chaya le boscha. Nous continuons de soupirer après lui, Maraba et les Bosha. Yekelebo Shentora et les Bosha. Yekelebo Shanta Malebosha. Yokoro les Bosha, Mama les Bosha. Relebo Shente les Boska Malebosha. Yekelebo Shama les Bosha. Yekelebo Shama Mama les Bosha. Sois honoré, Esprit de Dieu. Sois honoré, Maka et les Bosha. Sois honoré, Mama les Bosha, Mama les Bosha. Yekelebo Shentoska Malebosha, les Boschanta Malebosha. Yakarababa Malebosha, Yabalebosha. Yekelebo Shanta Malebora, Yelebashanta. Yekelebo Shanta Malebosha, Yoko Malabara, Yalaba, Yelebosha. Yekelebo Shanta Malebosha. Yekerebe Shente, sois honoré, Mama Malebosha. Tu es honoré, Ma et les Boschama Malebosha. Yekelebo Shama, Mama Lebosha. Yekelebo Shantos, Kelebeshe. Yo kamamalebosha baba baba lebosha yakababara baba 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 chantos kamamaleboshe yekere bebe bebe chanteske yelebosha. Esprit de Dieu, tu es présent, remplis ce lieu de ta présence, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Malebosha, Yahvé. Nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Malebosha, Yahvé. Nous t'invitons, Malebosha, Yahvé. Oh, nous t'invitons, Malebosha, Malebosha, Yahvé. Nous t'invitons, Malebosha, Saint-Esprit, nous t'invitons, Malebosha, Malebosha. Nous t'honorons, Malebosha, Yahvé. Oh, nous t'honorons, Malebosha, Malebosha, Yahvé. Nous t'honorons, Malebosha, Saint-Esprit. Nous t'honorons, les kebochanta yama. Nous t'honorons, malébochante. Oh, nous t'honorons, makalébochanta yalabachanta. Nous t'honorons, makalébocha, Saint-Esprit. Nous t'honorons, malébochante, les bochayang. Nous te désirons, malébocha yaba. Oh, nous te désirons, makalébocha yalébocha. Nous te désirons, les Boshayaba, Saint-Esprit. Nous te désirons, Malibochanta, Yalabachanta. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous te désirons, Makelebochaya, les Boshaya. Nous te désirons, Malibochanta.
Alléluia, Saint-Esprit, nous te désirons. Lekeboshaya, Malébosha, nous te désirons. Lekeboshaya, Malébosha, oh, nous te désirons. Makaleboshaya, Rabashanta, nous te désirons. Lekeshentseye, Saint-Esprit, nous te désirons. Yekeleboshaya, nous te désirons. Lekeshentseye, oh, nous te désirons, Makaleboshaya, Valeboshaya, nous te désirons, Keleboshaya, Saint-Esprit, nous te désirons, Lekeboshaya, Babalebosha, Yekelebosha, Mamalebosha, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos maisons. Merci pour l'atmosphère qui est saturée de ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Makalibosha. Yokosha, Tamalibosha. Yekelebosha, Mama Malibosha. Rekelebosha, Mama Libosha. Yekelebosha, Malibosha. Maintenant que tu es là, Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Nous voulons que tu puisses glorifier Jésus encore ce soir, Makalibosha. Lekebosha, Mama Libosha. Nous voulons que le nom de Jésus soit élevé encore ce soir, Makalebosha. Nous voulons que tu fasses la volonté du Père, Seigneur, ce soir, Makalebosha. Lekeborosha, Malebosha. Que la volonté parfaite du Père se fasse, Makalebosha. Tu as dit que tu fais toutes choses pour un but. Tout a été fait pour un but. Ce soir également, cette réunion a été convoquée pour un but. Nous prions, Père, ce soir, afin que le but pour lequel tu nous as convoqués ce soir soit atteint dans le nom puissant de Jésus, Makalebosha. Yekerebosha, Malebosha. Yekerebosha, Mama Lebosha. Yekerebosha, que ta volonté parfaite se fasse, Makara Yelebosha. Yekerebosha, Toska, Malebosha. Yekerebosha, Toska, Yekerebosha, Malebosha, Yelebosha. Yekerebosha, Malebosha, Malebosha. Que seule ta volonté parfaite se fasse, Makalebosha. Au nom puissant de Jésus, Mara Maleboshe. Yekerebosha, Toska, Yekerebosha, Malebosha. Yekerebo chantos kamalebosha malebosha. Yerebo chantos kamalebosha bababalebosha. Yekerebo chantos kamalebosha. Yerebo chantan malebosha bebelebosha. Yekerebo chebelebo chantan malebosha. Yokos kolobosha. Yerebo chantan malebosha. Yakamalebosha yelebosha. Yekerebo chamamalebosha. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les six premiers jours de ce programme. Le Seigneur a été avec nous depuis le premier jour et jusqu'à ce jour. Nous voulons lui rendre grâce pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Makelebosha, Mamalebosha. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de ce que tu as été avec nous depuis le début. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Et Emmanuel, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous depuis le premier jour et jusqu'à ce jour, tu es avec nous, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous te disons merci pour tous les orateurs qui se sont succédés, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce qui a déjà été prêché, Seigneur, ces derniers jours, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci pour ce programme. Merci pour les vies transformées. Merci pour la parole que tu as semée dans le cœur, dans les cœurs, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te rendons déjà grâce. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses. Pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, Seigneur. Nous te disons merci, merci. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Makalebosha, Yokolobosha, Mamaleboska, Yerebosha, Tamalebosha, Yekelebosha, Belebosha, Babalebosha, Mamalebosha, Yalabaelebosha, Yakababalebosha, Malebosha. Nous allons maintenant prier et puis demander au Seigneur que le Seigneur puisse disposer les cœurs encore ce soir afin que la parole soit reçu dans des terres fertiles, dans des cœurs qui vont porter du fruit. Nous allons prier sur la base de Actes 16, 14 qui dit « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. » Nous allons prier afin que le Seigneur puisse permettre à chacun de nous d'avoir un cœur disposé, un cœur attentif qui va recevoir la parole ce soir, comme cette dame, comme cette marchande de pourpre nommée Lydie dans Actes des Apôtres. Nous allons vraiment prier pour les cœurs, pour nos cœurs. Makalebosha, Yekelebosha, Mamalebosha,
Père, ce soir, nous venons encore te demander, Seigneur, de disposer les cœurs de toutes les personnes qui vont se connecter, Seigneur. Et nous qui sommes déjà connectés, nous prions afin que, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'avoir des cœurs, Seigneur, comme ceux de Lydie. Père, nous prions afin que tu puisses ouvrir, Seigneur, le cœur de chacun, afin que nous puissions recevoir ta parole, afin que la parole que nous allons recevoir ce soir, Seigneur, porte du fruit, Seigneur. Que cette parole vienne toucher nos cœurs, que cette parole, Seigneur, vienne transformer les vies, que cette parole, Seigneur, vienne renouveler notre système de pensée, makalebocha, yekebora elebocha, malebocha. Que la parole ne soit pas semée dans des cœurs de pierre, mais qu'elle soit semée dans des cœurs, Seigneur, fertiles, makamalebocha, yekebocha, toroska, malebocha, yekebora, malebocha, tabayeleboska, yakamalebocha, ya, yerebocha, toska, malebocha, yerebocha, mamalebocha. Permet à chacun de partir de là avec, Seigneur, une parole qui vient, Seigneur, de toi, et que chacun aille pratiquer ce qu'il va entendre, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons également prier pour l'orateur de ce soir, que le Seigneur puisse en tout cas l'utiliser ce soir afin qu'il puisse vraiment parler de la part de Dieu. Nous allons prier sur la base de 2 Pierre 1:21 qui dit, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur se saisisse de son serviteur ce soir afin qu'il puisse parler véritablement de la part de Dieu. Père, nous te disons merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons pour sa vie. Merci pour ce que tu as déjà fait avec lui jusqu'à ce jour, Père. Père, nous prions afin que ce soir encore, tu puisses l'utiliser pour ta seule et unique gloire, Père. Nous prions afin que, Seigneur, tu puisses encore l'utiliser, Seigneur, puissamment pour ta seule et unique gloire, Père. Nous prions afin qu'il soit poussé par ton esprit, qu'il parle de ta part. Makaleboshe, yekebo yamalabara yeboshe. Que les paroles qui sortiront de sa bouche émanent de toi, papa. Nous voulons une parole qui sorte de ton trône ce soir encore. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur de ce que tu vas encore parler, Seigneur, au travers de l'histoire. Merci Seigneur, Makalebosha. Nous te disons merci, Makalebosha. Yekelebosha, Balebosha, Bababalebosha. Yekerebosha, Toska, Malebosha. Yora, Malebosha, Teske. Yakabalebosha, Toska, Yekelebosha, Tamalebosha. Reko, Yalabara, Elebosha, Tamalebosha. Yekelebo chantos kamalebosha. Yekelebo chantamalebos kabalebosha. Yokamalebo yabababalebos kabaleboshe. Yekelebo chantos kamalebosha. Yakababalebosha. Yakabalebo chantos kelebosha. Rekebelebo chantos ka. Yakalebo chanta. Merci Seigneur pour Makalebosha, pour ton serviteur. Merci pour la parole, Seigneur, qui va venir toucher les cœurs, qui va transformer, Seigneur, les cœurs, qui va, Seigneur, changer les mentalités, papa. Makalebosha, merci. Makalebosha, mamaleboska. Que ce ne soit pas une parole de plus, mais que ce soit vraiment la parole dont, Seigneur, que chacun, Seigneur, a vraiment besoin d'entendre ce soir, Seigneur. Makalebosha. Makaleboshintoska. Yekeleboshintelebuska balebosha. Nous te disons merci. Merci pour ces prières. Makaleboshintelebuska. Yekeleboshintoska. Yakabalebosha. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas conduire. Makaleboshinto. Yeleboshinta malebosha. Yekeleboshintoska maleboshe. Rekeleboshinta malebosha. Yalabaleboshaya. Yalabaleboshaya. Yekelebo shintos kamamalebo shintiri. Rekelebo shanta malebo sha. Yekelebo shabababalebo skababalebo shaya. Rekelebo shinti. Yakamamalebo shabababalebo shaba. Yekelebo shantos kabababalebo shaya baba. Yekelebo shanta malebo shaya daba shanta. Rakalebo shantos kabababalebo sha. Yekelebo shanta malebo shaya.
Yekelebo shanta malebo shelebo skelebo sha. Yekelebo shanta. Rakavalebo shanta malebo shanta. Yekelebo shanto skavalebo sha. Yakabababalebo sha. Yekelebo sha. Père, nous te disons merci de ce que ce soir tu vas susciter encore des vocations, tu vas réveiller le zèle, makalebo sha. Merci pour le zèle que tu vas réveiller. Alors, merci de ce que tu vas confirmer les appels encore ce soir. Makaleboche. Nous te rendons déjà toute la gloire pour ce que tu as prévu, pour ce que tu vas faire, Père. Makalebo shenteske. Yekelebo shenteske. Yekelebo shantoska malibosha. Yekelebo shantan malibosha. Yekelebo shintoska malibosha. Yekelebo shantan. Makalebo shentolo yabalebo shayam. Merci Seigneur, merci. Makalebo shantoska. Yokobo lobo shantan. Pour les deux minutes qui nous restent, je propose que l'on puisse démuter nos micros. On va prier tous en langue pour saturer l'atmosphère de sa présence. Makaleboshé. Honoré Saint-Esprit de Dieu, tu es célébré. Libre, sainte et révélée, que chante. Envahis-nous de ta présence, envahis-nous de ton onction ce soir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous. Conduis toutes choses, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Libre, sainte et merci Seigneur pour ce temps de prière, merci de ce que tu as été avec nous, merci pour la manière dont tu nous as conduits. Nous te rendons toute la gloire Seigneur, merci pour la deuxième partie, sous le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen, amen. Amen, gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Gloire à Jésus. Amen. 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 Avant de recevoir l'orateur, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 1 à partir du verset 26. Jean le chapitre 1 à partir du verset 26. Si une personne a trouvé, la personne peut faire la lecture. Jean chapitre 1 à partir du verset 26. Amen. La connexion n'est pas bonne. Amen. Jean chapitre 1 à partir du verset 26. Jean combien? Jean le chapitre 1 à partir du verset 26. Jean. Jean ça après. Jean 1. Verset 26.
À partir du verset 26. Pas seulement le verset 26. Ok, bon, je fais la lecture pour qu'on puisse aller rapidement. Amen, amen. Jean chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit, Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Au verset 27, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Amen. 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 Lorsque souvent on introduit les orateurs, certains pensent que c'est une habitude de recevoir l'homme de Dieu. Souvent, certains parlent d'Atalako. Mais ce soir, j'aimerais qu'on comprenne ceci. Et le Saint-Esprit m'a donné ce passage pour plusieurs d'entre nous. Dans le royaume de Dieu, c'est la culture de recevoir, d'honorer les citoyens du royaume. Amen. Lorsqu'on parle de l'honneur, c'est une des valeurs du royaume des cieux. Ici, c'est le prophète Jean-Baptiste qui reçoit Jésus-Christ. Et Jean dit comme ça que Jésus est plus puissant que lui. Amen. Il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Et lorsque vous allez voir que après le baptême de Jésus, lorsque Jésus sort de l'eau, Dieu va dire, le Père va dire de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé auquel j'ai mis toute mon affection. » Amen, amen. Donc, le Seigneur lui-même fait la talapou de Jésus, si on peut dire ainsi comme ça pour les Ivoiriens. Le Seigneur lui-même honore le Fils. Amen. Parce que c'est une culture du royaume des cieux d'honorer les citoyens du royaume. Amen. Et ce soir, nous allons recevoir un homme de Dieu. La Bible dit que nous devons rendre l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Amen. Nous le recevons en sa qualité de serviteur de Dieu. J'aimerais qu'ensemble, on puisse donner gloire à Jésus pour son serviteur, là où tu te trouves. Tu vas avec moi recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Dimitri Kouakou. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour son serviteur? Tout comme le prophète Jean-Baptiste reçoit Jésus, honore Jésus, tout comme le Père honore le Fils. Est-ce que ce soir tu peux honorer le serviteur de Dieu? Parce qu'il est serviteur de Dieu. Est-ce que c'est notre culture de recevoir nos frères et sœurs, de recevoir le serviteur de Dieu avec honneur? Est-ce que tu peux honorer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus avec une pleine parole. Nous honorons le Seigneur Jésus pour son serviteur. Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth pour son serviteur, l'évangéliste Dimitri Kouakou. Homme de Dieu, vous avez toute la place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Alléluia. Jésus. Si vous êtes présent, j'aimerais que de là où vous êtes, que vous me fassiez un signe de présence. Si des personnes peuvent mettre des émojis d'acclamation au roi des rois, je serai sûr qu'il y a des gens qui me suivent. La Bible dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert, là où il n'y avait personne. Ce soir, je ne veux pas être Jean-Baptiste, je veux prêcher à des personnes, je ne veux pas prêcher dans le désert. Donc faites-moi signe pour me montrer que vous êtes là, que ce n'est pas dans le désert que je veux prêcher. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Si vous me permettez, je mettrai ma vidéo. Si vous me permettez. Oui. Amen. Alléluia. Ok, je suis honoré d'être parmi vous. Je suis béni même d'être parmi vous. C'est premièrement une grâce pour moi d'être là. Avant d'être une grâce pour vous, c'est d'abord une grâce pour moi et je bénis Dieu pour sa fidélité, je bénis Dieu pour ce jour qu'il permet, je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Je prie que la grâce du Seigneur puisse couvrir quelqu'un, je prie que la main de Dieu soit sur quelqu'un, je prie que le Seigneur puisse fortifier quelqu'un. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu dans mon cœur des personnes qui avaient besoin d'être fortifiées. Et je me rappelle du passage où Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est comme si il y a des personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans cette période dans laquelle nous nous trouvons.
parce que l'ennemi est en train de semer beaucoup de choses qui créent le doute dans l'esprit de plusieurs personnes, qui créent même la peur. Il y a des gens qui, de moins en moins, commencent à douter de la personne de Jésus. Permettez-moi de dire, de plus en plus, commencent à douter de la personne de Jésus. Ils se posent des questions intérieurement, ils cherchent à savoir mais en quoi Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi Jésus est Dieu, parce que ce sont des questions auxquelles ils font face presque chaque jour. Et je vois beaucoup de doutes, je vois beaucoup de craintes, je vois beaucoup de peurs. Moi, je veux rassurer quelqu'un. Jésus, celui que nous adorons, est Dieu. Et ce soir, je veux honorer et bénir sa présence parmi nous. J'ai pour habitude de dire que le Seigneur n'est pas limité. J'espère que vous m'entendez bien. Le Seigneur n'est pas limité par les ondes. Il n'est pas limité par le canal d'un réseau ou quoi que ce soit. Peu importe la distance, peu importe là où tu te trouves présentement, le Seigneur te touche et te fait du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui était apeurée. Je vois la peur dans ton cœur. Et la peur que je suis en train de voir n'est pas une peur naturelle et tu le sais très bien. C'est de toi que je suis en train de parler. Ce n'est pas une peur naturelle, c'est une peur qui te donne souvent même des palpitations de cœur. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu as besoin de faire certaines choses, mais tu ressens une forte peur à l'intérieur de toi qui t'immobilise. Écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, la puissance de Dieu te visite et tu es libéré de la peur au nom de Jésus-Christ. Je vois comme un esprit, c'est comme un esprit. C'est comme un esprit. Il est vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un, tu es un jeune. Excusez-moi de prophétiser avant de prêcher. Tu es un jeune. Il y a très longtemps, tu as remarqué une œuvre de la sorcellerie dans ta vie. Tu as même l'impression que tu as été initié depuis le bas âge. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu veux servir Dieu. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui te retenait. Tu n'arrives pas à aller plus loin que tous les efforts que tu fais ont l'air d'être vains. C'est comme si tu fais tout, mais tu n'arrives pas à percer dans le ministère, tu n'arrives pas à percer dans ton appel avec le Seigneur, tu n'arrives pas à percer dans ton service à Dieu. Écoute-moi très bien, le Seigneur ce soir te libère au nom de Jésus-Christ. C'est comme si tu ressentais quelquefois les appels dans le spirituel, qui ne sont pas de Dieu. Écoute-moi très bien, si tu es un jeune, si tu es concerné par cette parole, après tu peux contacter les responsables. Si c'est pour nous mettre en contact, viens dans mon inbox, on va parler. Parce que j'ai ressenti cette chose-là très fortement dans mon esprit tout à l'heure. Le Seigneur veut te libérer, le Seigneur veut te délivrer. Et tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous faire encore du bien ce soir. Merci de nous bénir au travers de ta parole. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Permets que je puisse diminuer et que toi, tu puisses croître. Seigneur, nous voulons entendre que ta voix. Nous ne voulons pas entendre une voix étrangère à ta voix, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que depuis les cieux, que tu t'adresses à nous, Seigneur, et que depuis les cieux, tu nous fasses du bien, Papa. Nous voulons entendre ton message. Nous voulons entendre ton message. Nous ne voulons pas entendre un autre message que ton message. Que seulement ce que toi, tu as prévu pour nous, Seigneur, en ce soir, soit entendu par nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux me lever con toute puissance, con toute autorité, con toute principauté. Seigneur, dans le monde des ténèbres qui se lève contre ce moment, qui se lève même contre le réseau, qui se lève contre ma voix, qui se lève contre les oreilles des personnes qui m'entendront, qui se lève contre le cœur des personnes qui recevront ce message. Je commande, Seigneur, que ces principautés, ces autorités, ces dominations soient dépouillées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te prêcher, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que ton message soit entendu, Seigneur, tel que toi tu veux, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous faire du bien en ce soir, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Qui est béni d'être là ce soir, qui est béni? Je veux sentir que vous êtes là. Hein? Donc, quelquefois, mettez des amen, mettez des alléluia, écrivez des choses pour me montrer que vous êtes présent. Alléluia. Nous allons commencer par la grâce du Seigneur avec Luc 24. Si vous ne m'entendez pas aussi, écrivez que vous ne m'entendez pas bien. Si je dois changer la disposition de mon,
mon téléphone pour pouvoir me faire entendre, je le ferai. Parce que quelquefois, avec le réseau, c'est un peu compliqué. Donc, faites signe s'il y a un souci de connexion. On va juste changer quelque peu la disposition pour que vous puissiez m'entendre. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, ce soir, va faire du bien à quelqu'un au travers de ce message que je vais prêcher. Je suis partagé en deux messages. Il y a un message que le Saint-Esprit est en train de mettre dans mon cœur. Et puis, il y a un message que j'ai préparé. Et quand je regarde le message que le Saint-Esprit est en train de mettre dans mon cœur et le message que j'ai préparé, j'ai l'impression que ce n'est pas le même. Mais je suis sûr qu'il y a un message que le Seigneur veut te communiquer en ce soir. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons parler de ce que nous sommes censés faire avec la puissance, avec l'autorité, avec le règne de Dieu en nous. Alléluia. Je crois que le Seigneur va te faire du bien ce soir. Permettez-moi rapidement de lire une portion des Écritures. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, mais nous allons commencer par ce verset-là d'abord. C'est dans le livre de Luc 24, à partir du verset 49, si je ne me trompe pas. Je vais lire la parole de Dieu pour aller très rapidement, pour ne pas perdre le temps. OK. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. OK, permettez-moi de lire un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. OK, il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, vous êtes témoins de ces choses. Ça, c'est dans Luc 24, le verset 48. Et dans le verset 49, il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, restez dans la ville. » J'insiste sur ça. « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Donc, Christ part et Christ annonce celui que le Père a promis. Et celui que le Père a promis, c'est le Consolateur. Qu'est-ce qui se passe? Christ vit avec des disciples. Christ apprend à vivre. Christ leur donne l'enseignement qu'il faut. Christ partage avec eux toute l'expérience de sa personne, de qui il est, de qui il sera, de qui il était. Il partage tout cela avec eux. Et c'était vraiment un bonheur pour eux d'avoir Christ auprès d'eux. Écoutez-moi, si moi, par exemple, j'ai Christ auprès de moi, c'est un avantage. Ça veut dire que si il y a des questions qui me perturbent, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a une facilité pour moi d'aborder Christ, pour dire, ah Christ, grand frère, ça là, je ne comprends pas, s'il te plaît, essaie de m'expliquer. Et je suis sûr que j'aurai la réponse qu'il faut. Je suis sûr que j'aurai le message qu'il faut. Donc, Christ est, dans la présence de Christ à côté des disciples était une assurance pour eux. C'était quelque chose qui les rassurait. Christ était présent, c'était une assurance pour les disciples. Christ était présent, c'était une fierté pour les disciples. Christ était présent, c'était une gloire pour les disciples. Christ était présent, c'était une bénédiction pour les disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Christ dit, il était important pour lui de mourir d'abord, de souffrir, de mourir, de ressusciter. Et puis, il arrive à un point focal où il dit, en fait, là, il faut que je puisse partir pour que celui qui vous avait été promis puisse venir. Donc, Christ est en train de faire savoir que c'est vrai que vous êtes confortable avec moi, vous vous sentez bien avec moi, c'est vrai que vous aimez ma présence, vous avez la réponse à toutes vos questions, vous avez tout ce que vous voulez parce que je suis présent. Mais en fait, il est mieux pour vous que je puisse partir. Et ça, vous pouvez voir ça dans le livre de Jean 16, si je ne me trompe pas, hein, dans le livre de Jean 16, le verset 7. Permettez-moi de lire pour ne pas sortir de mon message. Permettez-moi de lire rapidement. Nous allons lire. Après, je vais rentrer très fort dans le message. Mais nous allons lire. Permettez-moi de lire. OK, donc dans le livre de Jean,
le chapitre 16, le verset 7, la Bible dit « Cependant, je vous dis la vérité ». Donc, je vous dis en vérité, je vous le dis comme on a l'habitude de l'entendre. Il dit, il est avantageux, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, en d'autres termes, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il est en train de donner différentes manifestations du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit s'en ira. Maintenant, regardez le point qui me plaît à partir du verset 12. J'ai vraiment aimé cette partie-là quand j'étais en train de lire ce passage. Le verset 12 dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. » Une version que j'ai lue tout à l'heure qui dit « Vous ne pouvez pas les supporter ». Il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter ». Et pourquoi vous ne pouvez pas les supporter? Parce que je dois partir pour permettre à celui qui doit vous emmener à supporter ce que j'ai à vous dire de venir. Mais il ne viendra pas juste pour vous aider à supporter ce que je devais vous dire, mais il viendra pour vous enseigner ce que je ne vous ai pas dit. Donc, ce que vous n'arriviez pas à supporter, vous allez pouvoir supporter, mais en même temps, avec lui, il sera comme un professeur à vos côtés. Donc, il est en train d'annoncer la venue du Saint-Esprit. Il est en train d'annoncer la venue de l'Allos Paracletos. Il est en train d'annoncer la venue du Consolateur. Et il est en train de leur dire qu'il est avantageux pour vous que je puisse partir, pour que lui qui doit vous conduire dans toute la vérité. C'est dans le verset qui suit, le verset 13 de Jean 16. La Bible dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire même Christ est venu donner une partie de la vérité aux disciples. Donc, le Saint-Esprit vient pour conduire les disciples dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc encore un peu de temps, il s'en ira. Et quand on retourne dans le livre de Luc 24, le verset 49, la Bible dit qu'il demande à ses disciples de rester à Jérusalem. Donc, il dit, restez à Jérusalem. Attendez la venue du Saint-Esprit. Assurez-vous d'être revêtus avant de partir faire quoi que ce soit. Ça veut dire, il était en train de dire dans Jean 16 qu'il est avantageux pour lui de partir, mais en même temps qu'il est avantageux pour lui de partir, les disciples ne peuvent pas se permettre de se vouer à la mission sans qu'il ne soit au préalable revêtu du Saint-Esprit. Donc, il y avait un besoin de revêtement du Saint-Esprit. Les disciples ne seraient pas apôtres, ne seraient pas ce qu'ils ont été, n'auraient pas l'impact qu'ils ont eu s'ils n'avaient pas été revêtus du Saint-Esprit. Donc, il y a un besoin de revêtement du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, même Christ qui était là et sa présence était rassurante pour les disciples, dit qu'il est avantageux que cette présence rassurante qu'il est pour les disciples puisse s'en aller. Ça veut dire que l'assurance que Christ était pour les disciples, qui était peut-être à 100%, le Saint-Esprit viendra pour que ces disciples-là aient l'assurance à 200%. Parce qu'il ne vient pas seulement pour les conduire dans une partie de la vérité, mais il vient pour les conduire dans toute la vérité, dans les profondeurs de Dieu, dans la personne de Dieu. Il vient pour les conduire là où Dieu veut qu'ils arrivent. Il y a un besoin qui est en nous. Il y a un besoin que Dieu a mis dans notre cœur par rapport à une mission, par rapport à un mandat, par rapport à une vocation, par rapport à un appel, par rapport à un ministère. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu as un don spirituel, le don spirituel, c'est pour les gens pour qui tu sais, permets-moi de le dire, c'est pour les gens qui sont autour de toi. Mais lorsque tu as un ministère, tu deviens le don pour les gens. C'est-à-dire, tu n'as plus ce don-là qui est le don pour les gens, mais tu es toi-même le don pour les gens. Donc, écoutez-moi très bien. Là où Dieu veut que nous puissions arriver, c'est arriver au stade où nous sommes
le don pour des générations, pour des nations, pour des peuples, pour des gens qui entendront le message de Dieu par notre canal. Donc, Christ vient, il dit qu'il est avantageux pour lui de partir parce que quand il s'en ira, le Saint-Esprit viendra. Il y a besoin que le Saint-Esprit vienne, mais le Saint-Esprit ne vient pas juste comme ça. Les disciples sont restés à Jérusalem. Ils étaient certainement dans la prière. Ils étaient certainement en train de chercher la face de Dieu. Et ils sont restés longtemps jusqu'à être revêtus du Saint-Esprit. Et le revêtement leur a donné de sortir. Ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas sortis par la volonté de la chair. Ils sont sortis par la conviction du Saint-Esprit. Donc, lorsque Dieu t'appelle à quoi que ce soit, il y a besoin pour toi d'être revêtu du Saint-Esprit. Lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, tu as la connaissance de ce que tu dois faire, de là où tu dois aller, de comment tu dois le faire. Et tu as la connaissance du temps. Donc, je suis en train de parler des quatre facteurs. De là où tu dois aller, le lieu, du comment tu dois le faire, la manière, le temps. Et puis, tu as la connaissance de toutes ces choses-là. Ce qui fait que lorsque tu sers Dieu, tu ne le sers pas dans un autre chemin qui est différent du chemin là où il t'attend précisément. Donc, Dieu t'attend dans un endroit précisément. Souvent, j'ai l'habitude de dire que les gens se retrouvent dans d'autres endroits et ils mènent des combats auxquels Dieu ne les a pas appelés. Donc, si tu te retrouves dans un endroit où Dieu ne t'a pas appelé, tu mèneras des combats auquel Dieu ne t'a pas appelé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si quelque part tu t'es détourné de la face de Dieu, si quelque part tu t'es détourné de la volonté de Dieu et que tu étais dans un endroit où tu menais un combat qui n'était pas celui que Dieu avait prévu pour toi, ce qui faisait que tu sentais fortement les pressions de l'ennemi parce que le combat était trop rude, ce n'était pas à ta dimension, ce n'était pas à ta hauteur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te ramène à lui dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te ramène à lui dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te ramène à lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens aux Écritures. Donc, la Bible parle de « vous recevrez une puissance ». Ça, c'est dans Actes 1, le verset 8. Il dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi ? Mes témoins. » Donc, lorsque le Saint-Esprit survient sur eux et qu'ils sont revêtus du Saint-Esprit, ils ne sont pas revêtus juste pour rester dans leur même état. Ils sont revêtus pour être des témoins de Dieu. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas parler de témoins sans parler de preuves. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est appelé à être témoin, est appelé à rendre témoignage, c'est parce qu'il a des preuves du témoignage qu'il doit rendre. Mais écoutez-moi très bien. Nous voulons aller dans une dimension où nous n'avons pas seulement les preuves de ce que Dieu peut faire. Nous n'avons pas seulement les preuves de ce que Dieu est capable de faire, mais nous sommes la preuve vivante de la puissance et de la manifestation de Dieu. Et pour cela, il nous faut être revêtus du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien, parce que tu es témoin, tu n'as pas que des preuves. Tu as des preuves, oui, mais en même temps, tu es la preuve de la toute-puissance de Dieu. Il faut que là où tu es, dans ce à quoi Dieu t'appelle, dans la sphère dans laquelle Dieu t'appelle, il faut que tu sois un témoin, que tu sois une preuve de Dieu à cet endroit-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps est arrivé pour que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à nous lever. Le temps est arrivé pour que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Il y a un message que nous devons prêcher. Il y a une parole que nous devons dire. Il y a des délivrances qui doivent s'opérer au travers de notre canal. Il y a des guérisons, il y a des miracles qui doivent se faire. Et ces miracles-là ne se feront pas si nous ne prenons pas le temps de rentrer dans le secret pour être revêtus du Saint-Esprit. Avant le revêtement, il y a une chose qu'on appelle la plénitude. Écoutez-moi très bien. Il y a deux aspects que je veux, sur lesquels je veux attirer votre attention. Écoutez-moi très bien. La Bible parle de Jésus envoyait ses disciples deux à deux. Et quand il les envoyait deux à deux, il leur a donné le pouvoir. C'est ce qui s'est passé après. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme le clair, je vous ai donné le pouvoir. Et le pouvoir dont il est question ici, c'est un pouvoir que Christ lui a donné permanemment. C'était, permettez-moi de dire, excusez-moi, temporairement. Donc, ils avaient le pouvoir qui était temporaire. Et ce pouvoir temporaire, cette puissance temporaire-là, elle est nommée exousia. Donc, ils avaient exousia, ils sont allés, ils ont opéré. Quand ils sont revenus, Christ dit, je voyais l'ennemi tomber du ciel comme l'éclair. Ils avaient une puissance, mais elle était juste temporaire. Maintenant, Christ comprend que
C'est vrai que vous pouvez avoir une puissance que je vous ai donnée, mais il est important pour vous d'avoir une puissance qui vous remplit et qui sort depuis l'intérieur de vous pour vous revêtir. En fait, suivez très bien. Je ne suis pas en train de parler d'un revêtement qui n'a pas commencé par une plénitude. Je suis en train de parler d'un revêtement qui commence par une plénitude. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence d'abord par te remplir avant de te revêtir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Le Saint-Esprit remplit Jésus et Jésus, il emmène où? Il emmène Jésus dans le désert. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes à l'école du Saint-Esprit, lorsque nous sommes dans la procédure de plénitude du Saint-Esprit, il peut arriver que nous soyons dans des endroits où nous n'avons jamais espéré nous trouver. Ça veut dire, nous sommes en train de vivre certaines expériences bizarres. Et nous avons l'impression que nous ne sommes pas peut-être dans le plan de Dieu parce que les expériences que nous sommes en train de vivre sont trop bizarres. Comment Christ, rempli du Saint-Esprit, se retrouve dans le désert? Tu es rempli du Saint-Esprit et c'est dans le désert qu'il te conduit. Et tu arrives dans le désert, il permet à ce que Satan vienne te tenter. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es à l'école du Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. Tu seras confronté à la tentation, aux épreuves, aux persécutions. Le mot même que j'ai envie d'utiliser, c'est le brisement. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne veulent pas être brisés. Ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas être brisés. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle le brisement. Ils vivent une vie tranquille, quoi. Et le brisement, là, qui leur donne d'être la personne que Dieu veut qu'ils soient, malheureusement, ils ne saisissent pas cette opportunité-là. Donc, ils ne permettent pas au Saint-Esprit de faire l'œuvre à laquelle il est appelé dans leur vie. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit a une œuvre à accomplir dans notre vie. Avant même que nous ne fassions des choses pour que des gens soient transformés et changés, le Saint-Esprit a une œuvre à accomplir en nous pour que nous-mêmes nous soyons transformés et changés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. Dis Amen. Écris Amen, s'il te plaît. Écris Amen. Il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de transformation. Quand la Bible parle de dans Actes 1, le verset 8, la Bible parle de dunamis. Donc, j'étais en train de parler d'exousia. Permettez-moi de finir mon récit. Donc, exousia est comme la puissance temporaire que le Seigneur donne à ses disciples pour une œuvre bien précise. Mais on ne peut pas seulement opérer avec exousia. Il est important pour nous d'avoir dunamis. Et dunamis, c'est quoi? Dunamis, c'est la puissance permanente du Saint-Esprit. Ça veut dire la puissance de Dieu en permanence en nous. Ce n'est pas une question de « non, j'ai juste ça pour le moment, je vais juste prier pour lui et puis après ça va disparaître ». Ce n'est pas la magie. Tu es plein du Saint-Esprit et tu as la puissance permanente de Dieu. Et quand tu as la puissance permanente de Dieu, sache que le Saint-Esprit ne vient pas juste en tant que dynamisme dans ta vie, mais le Saint-Esprit vient aussi en tant que métamorpho. Ah Seigneur, merci de me permettre d'expliquer ça. Métamorpho, c'est quoi? Métamorpho, c'est un peu comme le symbole de changement, de transformation, de transfiguration. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient en tant que puissance. On voit la manifestation de la puissance qui fait du bien aux gens autour de nous. Mais en même temps, le métamorpho, c'est la puissance du Saint-Esprit qui transforme quelque chose à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, jeunes, on a un défi. La plupart des jeunes sont en train de lutter avec la sanctification, en train de lutter avec le péché, en train de lutter avec ces œuvres-là. Ils ont envie de se consacrer, mais ils n'arrivent pas à se consacrer. Écoutez-moi très bien. La seule personne qui est capable de nous permettre de vivre dans la sanctification, dans la consécration, c'est le Saint-Esprit. Mais avant ça, il faut que tu permettes au Saint-Esprit de faire le travail qu'il a fait dans ta vie. Et pour que le Saint-Esprit fasse le travail qu'il a fait dans ta vie, il est important pour toi de t'accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, on peut lire rapidement 1 Pierre 1, le verset 23, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, le verset 23. 1 Pierre 1, le verset 23. Les brandés, chatarabos. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et puis la Bible dit, par la parole vivante et permanente
de Dieu. j'aime trop la Bible, j'aime trop la Bible. Il dit, vous avez été régénérés, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, parce qu'on ne peut rien ajouter à la parole, on ne peut rien retrancher à la parole. La seule chose qui est capable de nous donner une constance dans notre permanence de quête du Seigneur, la seule chose qui est capable de nous donner une constance dans notre permanence de puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui nous transforme, ce qui nous régénère, ce qui nous change, c'est la parole de Dieu. Métamorpho n'a de valeur en nous que par la parole de Dieu. Elle change des choses en nous. Elle change notre cœur, notre caractère, notre nature de pécheur. Elle change des choses en nous. Et quand elle change des choses en nous, nous devenons des canaux, mais nous ne devenons pas seulement des canaux, nous devenons des canaux purs. Ça veut dire que le Saint-Esprit a agit en nous, mais le Saint-Esprit aussi agit dans la vie des gens qui sont autour de nous. Alléluia. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à ce stade où le Saint-Esprit n'agit pas seulement que dans la vie des gens qui sont autour de nous, mais dans nous-mêmes, notre vie, on voit la manifestation de Dieu. C'est pour ça que, quelque part dans la Bible, il est écrit « Afin que tes progrès soient évidents pour tous ». Je crois que c'est dans 1 Timothée 5, si je ne me trompe pas, ou bien 1 Timothée 4, le verset 15, quelque chose comme ça. La Bible dit « Afin que tes progrès soient évidents pour tous ». Ça veut dire, ce n'est pas une question de « je suis juste pur dans mon coin, je suis juste saint dans mon coin, je suis juste puissant dans mon coin ». Non, 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 non. Lorsque tu es puissant, c'est visible, c'est palpable. C'est pour ça que je dis qu'on ne sera plus juste des personnes qui avons des preuves, mais nous serons des personnes qui sommes des preuves. Nous sommes des preuves à l'humanité. Nous sommes des preuves pour le monde de ce que Dieu est puissant, de ce que Dieu règne, de ce que Dieu transforme, de ce que Dieu renouvelle, de ce que Dieu change, de ce que Dieu apporte la délivrance, de ce que Dieu opère des miracles encore, 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 que Dieu continue à le faire. Nous n'avons pas que la preuve en lisant les Écritures. Nous n'avons pas que la preuve en récitant le témoignage de d'autres hommes de Dieu. Mais nous avons la preuve parce que nous sommes la preuve que Dieu opère encore des miracles maintenant. Alléluia! Dieu opère encore des miracles. Et il faut que tu sois une preuve que Dieu opère encore des miracles. Aujourd'hui, le monde, quelqu'un vient vers toi, il te dit qu'il a mal aux pieds, qu'il n'arrive pas à marcher. Et toi, ce que tu peux lui dire, c'est « Non, essaie de venir à l'église, un peu, on va prier, ça va aller. » Il n'y a pas de souci. C'est une très bonne exhortation. Mais j'ai envie de te dire que lorsque, par exemple, Pierre et Jean, si je ne me trompe pas, se retrouvent devant le temple et qu'ils trouvent le paralytique qui était là devant le temple, qui disait ah, « Donnez-moi quelque chose pour que je puisse manger. Donnez-moi quelque chose. » Le gars était assis devant le temple. Vous savez pourquoi j'aime ce passage-là? Parce que la Bible précise qu'il était assis devant le temple. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de venir au lieu, mais il n'était pas dans le temple. Ça veut dire sa présence n'était pas une présence constante dans le temple de Dieu. Donc, il n'avait pas besoin forcément d'être toujours dans le temple de Dieu pour pouvoir bénéficier du miracle des serviteurs de Dieu. Donc, quand ils arrivent, ils disent, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui ne sont pas constants, ils ne sont pas fréquents à l'église. Ils ont besoin d'une manifestation de puissance de Dieu. Ils ont besoin d'une preuve que Dieu est puissant. Ils n'ont pas juste besoin de paroles. Oui, c'est vrai. On prêche, c'est vrai. Mais on a besoin de démontrer, d'attester la puissance de Dieu. Quelqu'un est paralytique, il vient vers nous. On prie pour lui, il retrouve la guérison. Quelqu'un est aveugle, il voit. Quelqu'un est sourd, il entend. C'est de ça qu'on a besoin. Et c'est ce qui va permettre aux gens de venir facilement au Père. Facilement au Père. Facilement au Père. Alléluia. Je vous rends un témoignage. J'étais en Russie. Et puis, en Russie, j'ai rencontré... Là-bas, on faisait l'œuvre. J'étais très souvent sollicité par les anglophones pour leur veiller de prière. Et puis, par la grâce du Seigneur, ils aimaient vraiment me placer comme dernier orateur parce qu'ils aimaient la puissance de Dieu, le canal que j'étais de puissance. Donc, ils me mettaient dernier orateur et il y avait des manifestations extraordinaires de Dieu. Dieu se manifestait terriblement.
Et vous savez ce qui se passe? Il y a une sœur russe, elle va à l'église baptiste, elle est russe, elle est chrétienne et tout. Mais bon, vous savez, les Russes sont ce qu'ils sont. Je n'ai pas envie de rendre un mauvais témoignage, mais ils sont ce qu'ils sont. Et donc, la sœur qui a l'habitude de venir participer à nos activités, elle vient. Et puis, après quelques temps, moi, je dois rentrer, donc je rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, la sœur, elle s'appelle Masha. Masha m'écrit par WhatsApp et elle me dit qu'elle est partie à l'hôpital. On lui a dit qu'elle a des caillots de sang dans son rein, ce qui fait qu'elle a atrocement mal au rein, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive pas à se déplacer et tout ça. Et ce qui m'a marqué dans ce qu'elle était en train de dire, c'est qu'elle était découragée parce que je ne suis plus là. Ah, Seigneur Jésus. Elle dit qu'elle est déçue parce qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra pas être guérie parce que je ne suis pas là pour prier pour elle. Je lui ai dit quelque chose que je vais répéter. Je lui ai dit que le Seigneur, notre Dieu que nous prions, n'est pas limité par les ondes. Il n'est pas limité par une quelconque distance. Que ce soit par un téléphone ou par quoi que ce soit. Il suffira juste que tu entendes la parole qui est déclarée. Tu auras la guérison. Elle a saisi cela. J'ai fait une note vocale. Je ne l'ai même pas appelée. J'ai fait une note vocale. Et j'ai prié pour elle. 3 semaines après, elle m'écrit. Elle me rend le témoignage qu'elle a été guérie. Ils ont fait un examen. Elle n'a plus de caillots de sang dans le rein. Elle a été totalement guérie. Totalement guérie. Vous savez ce qui se passe? Si le témoignage s'arrêtait juste là, j'allais dire, bon, ok, c'est juste Dieu a fait, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, peu importe l'activité francophone qui doit se faire en Russie, peu importe l'activité francophone, elle est prête à donner une salle pour que l'activité là se fasse. Je vous parle de la Russie, je ne vous parle pas d'un autre pays. Elle est prête à donner une salle. Aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, mais l'œuvre qui s'est opérée dans sa vie est suffisante. C'est-à-dire, si je n'ai pas besoin d'être là, parce qu'elle a vu la preuve de la puissance de Dieu. Elle a vu la preuve de la puissance manifestée par mon canal. Et puis, elle a vu Dieu. Et parce qu'elle a vu Dieu, elle se sent redevable, pas à moi, mais au Seigneur. Ce qui fait que même la vision que j'ai, elle sait qu'elle appartient au Seigneur. Donc, elle se sent redevable non seulement à Dieu, mais à la vision aussi que j'ai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une activité où on va solliciter Masha en Russie et elle ne va pas donner de salle. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'authenticité de la puissance de Dieu. Des gens ont besoin de voir l'authenticité de la puissance de Dieu. Les paroles sont bonnes, mais la puissance est préférable lorsque nous sommes en train de vouloir attester la puissance, la véracité de notre Dieu. Il faut que les gens sachent que notre Dieu est puissant. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment faire savoir au monde que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans avec eux là-bas? Comment faire savoir que le féticheur peut leur donner la guérison, mais cela peut être temporaire? Mais quand notre Dieu guérit, il guérit à jamais. Parce que la Bible dit qu'aucune bénédiction de Dieu n'est suivie de chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Je peux dire, c'est la bénédiction de Dieu qui transforme, qui guérit, qui restaure. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais lorsque le féticheur, le marabout, le mystique, opère une guérison, il y a des chagrins qui viennent. Mais il faut une preuve déjà que nous sommes capables aussi, par la puissance du Saint-Esprit, de prier pour quelqu'un et la personne sera guérie instantanément. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Seigneur, je veux que tu m'utilises. Dis Seigneur, je veux que tu m'utilises. Vas-y. Dis Seigneur, je veux. Écris. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut te faire du bien. Marabo shatabrade. Ribabababa shatarababo. Rekatarababa shatarabusa. Librandere keterebe.
La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, seulement en paroles, mais elle consiste aussi en puissance. Certaines personnes doutent de ce que Dieu a mis en toi parce qu'ils ne voient pas ce que tu es pour Dieu. Ils ne voient pas cette force que tu dis que Dieu est capable de donner, cette vie que tu dis que Dieu est capable de donner, la vie en abondance que Jésus donne. Il dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie en abondance. Cette vie en abondance-là, il ne faut pas juste que nous ayons la preuve en lisant les Écritures. On lit Jean 10:10, oui, Jésus donne la vie en abondance. Mais je veux qu'on arrive à ce stade où nous sommes la preuve que Jésus donne la vie en abondance. Alléluia. Dis avec moi, je veux être une preuve de Dieu. Dis avec moi, je veux être une preuve de Dieu. Je veux être une preuve de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une preuve de Dieu. Tu n'as pas juste des preuves, mais tu es une preuve de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut poursuivre? Le temps est arrivé pour nous de rechercher le revêtement du Saint-Esprit. Avant d'arriver au revêtement, comme je le disais, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que nous cherchions à être remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il y a un besoin d'être constamment dans la présence de Dieu. Plus tu es constamment dans la présence de Dieu, plus tu es rempli du Saint-Esprit. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, il arrive un stade où tu es plein du Saint-Esprit. Et tu es tellement plein du Saint-Esprit que la coupe déborde. Et donc, le Saint-Esprit t'inonde. Et quand il t'inonde, on parle de revêtement. Jésus aurait pu commencer sa mission depuis 12 ans. J'étais en train de questionner le Seigneur le jeudi. Je causais avec Dieu. Puis je lui disais, mais Seigneur, pourquoi Jésus n'a pas commencé sa mission à 12 ans? La Bible dit qu'il était déjà un bon enseignant parce qu'il confondait même les scribes et les pharisiens à 12 ans. Donc, il pouvait commencer la mission. Mais pourquoi Jésus a attendu? Il y a eu 18 ans ou quoi après, beaucoup de choses se sont passées dans sa vie et tout. Et c'est à l'âge de 30 ans, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Comme j'étais en train de le dire, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu ne vas pas passer par des épreuves bizarres. Il y a des situations compliquées par lesquelles tu vas passer. Je me rappelle qu'en Russie, on nous pourchassait. On nous pourchassait parce qu'on voulait servir Dieu. Je pense en même temps, Seigneur, je pense à tous ceux qui sont en Chine, en Afghanistan, dans les pays vraiment qui sont hostiles à l'Évangile. Seigneur, je prie que tu les gardes, que tu les gardes au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont dans des pays qui n'arrivent même pas à prêcher l'Évangile. Ils n'arrivent pas. Ils veulent prêcher l'Évangile, mais les choses sont compliquées. Je prie que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur les fortifie. Et donc, tu te retrouves dans ça. Mais tu sais que tu as un message à communiquer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu te retrouves dans un endroit pareil. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu vas dans un endroit où tu seras persécuté. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais il te conduit dans un endroit où tu seras tenté. Dans la tentation, il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Donc, ta foi est éprouvée. La seule chose qui garantit que tu es prêt au revêtement, c'est lorsque tu passes par les différentes épreuves qui sont là pour affronter ta foi. Donc, si tu n'es pas capable d'être au-dessus des épreuves qui sont là pour affronter ta foi, il sera difficile pour toi de passer au stade du revêtement. Et dans les épreuves, il y a, comme j'ai dit, il y a la tentation, il y a le brisement. Il y a un moment où Dieu va vouloir te briser. Lisons ensemble 1 Pierre 5, verset 6. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, il y a un temps convenable auquel Dieu veut nous élever. Mais avant ça, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous nous humilions sous sa main. Le fait, quand la Bible parle de humilier sous la main, c'est le caractère de métamorphose, en fait. C'est du genre, permet au Saint-Esprit d'avoir l'action qu'il a fait dans ta vie. Permet au Saint-Esprit de changer les choses qu'il a changer dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité, mais qui n'ont pas encore fini avec le péché. Et donc, parce qu'ils sont responsables, ça les dérange
de venir avouer à quelqu'un que ah, je lutte encore avec la masturbation. Parce qu'ils sont responsables. On leur a déjà donné des postes qui les élèvent en dignité. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la force d'aller vers un autre responsable pour dire, ah, ça là, franchement, c'est un problème pour moi. Écoutez-moi très bien. Ton salut en dépend. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question de salut. Si tu sais que tu as un problème, si tu sais qu'il y a un problème avec lequel tu es en train de lutter, c'est important pour toi d'aller vers un responsable, d'aller vers un père, d'aller vers quelqu'un qui peut t'aider. De qui tu auras la solution, c'est vraiment important pour toi. Lorsque tu auras la solution, lorsque tu seras en train d'avoir la solution, ce sera la transformation qui doit se faire dans ton corps. Et lorsque cette transformation se fera pleinement dans ton corps, tu arriveras au stade du revêtement pour que la mission soit accomplie totalement et pleinement par toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Le rôle de métamorphose, le rôle du Saint-Esprit en tant que métamorphose dans ta vie, c'est pour changer quelque chose. C'est pour changer, c'est pour rectifier quelque chose, c'est pour corriger quelque chose. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne vient pas juste comme ça. La Bible parle de fruits et toute fois qu'on parle de fruits, on parle de culture. On ne peut pas parler de fruits sans parler de culture. C'est pour ça que, écoute-moi très bien, il faut cultiver en toi le fruit de l'Esprit. C'est toi qui cultives le fruit de l'Esprit. La sémence du fruit de l'Esprit est en toi. Mais c'est toi qui cultives cette sémence-là. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. » Il y a un travail à faire dans votre vie pour vous élever au temps convenable. David était caché dans la brousse. Et pendant que David était là-bas, il était sujet à rien du tout, puisque lorsqu'il y avait une question d'école, de stratégie militaire, c'était les autres enfants d'Isaïe qui allaient là-bas. David n'était pas convoqué pour ça. David n'allait pas à l'école de stratégie militaire. La preuve, lorsque Goliath est là, on n'appelle pas David parce qu'il n'avait aucune stratégie militaire. On appelle les fils d'Isaïe parce qu'ils avaient des stratégies militaires. Ils sont partis à l'école de combat. Mais en fait, vous savez, parce que Dieu a pris la peine de travailler le cœur, la personne, l'être de David, parce que Dieu a pris la peine de travailler l'intérieur de David, il n'y avait pas de raison que David échoue dans la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Donc, David avait une telle conscience et une telle confiance en Dieu qu'il était capable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait emmené sur terre. Donc, quand David entend que Goliath est là, qu'il menace toute l'armée d'Israël. David ne pense pas à ses frères qui ont étudié dans les écoles de militaires. Il ne pense pas à ses frères qui ont appris l'art de la guerre. David pense à l'Éternel des armées qui est au-dessus de tous les enseignants de l'armée. Ça veut dire que lorsque tu as l'Éternel des armées, lorsque tu as pris la peine d'avoir été travaillé, d'avoir été transformé, d'avoir été renouvelé par le Saint-Esprit, tu n'es pas qu'une personne, mais tu as derrière toi toute la main céleste parce que tu n'es pas seul. Et lorsque David se tient devant Goliath, il ne se tient pas devant Goliath en tant qu'un jeune garçon. Il se tient devant Goliath en tant que représentant de la main céleste. Écoutez-moi très bien. Il y a des défis qui seront en face de toi où tu auras besoin de confronter des gens. Élie était obligé de confronter les prophètes. Il était obligé de les confronter. Il y a des gens qu'aujourd'hui, le Seigneur veut utiliser pour confronter des gens, des faux prophètes qui ont de fausses doctrines. Il y a des gens que Dieu veut utiliser en tant que toi jeune. Dieu veut t'utiliser pour que tu sois sujet à confusion dans le camp de l'ennemi. Écoute-moi très bien. Me permets au Saint-Esprit de faire le travail qu'il a fait. Je disais tantôt que ce que nous entendons, ce que nous recevons, c'est ce qui provoque en nous la foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit quelque part dans la parole que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Donc la parole de Dieu ne vient pas juste pour transformer la personne qui est en face de nous, mais elle vient pour nous transformer d'abord. C'est pour ça que quelque part dans le livre de Ésaïe 55, le verset 11, la Bible dit qu'il est ainsi pour ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. Ça veut dire que la parole a un effet.
Ça veut dire que la parole n'a pas juste un effet unilatéral. La parole a un effet bilatéral. C'est pour ça qu'on parle de métamorpho. Ça veut dire que lorsque la parole vient, elle produit en nous la foi qui nous donne la puissance. Mais elle ne vient pas juste produire la foi qui nous donne la puissance. Elle vient pour changer des choses à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui doivent changer à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur de toi. Il y a une vie que tu, dans laquelle tu dois rentrer, une dimension dans laquelle tu dois rentrer. Il y a quelque chose dans le, dans, que Dieu veut faire au travers de ta vie pour changer des nations, pour changer des vies, pour changer des cœurs, pour délivrer des gens. Dieu a un travail à opérer en toi. Alléluia. Il dit, humiliez-vous sous ma main puissante. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 18, je pense le verset 2. La Bible dit que, il dit, changez votre cœur. J'aime ce passage aussi. Il dit, changez votre cœur de pierre en cœur de chair. Ça, c'est Dieu qui parle dans Ézéchiel 18. Mais vous voyez, plus tard dans Ézéchiel 36, le verset 26, la Bible dit que Dieu dit, lui-même se chargera de changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Écoute-moi très bien. Tu es dans la période où le Seigneur veut te changer. J'ai pour habitude de dire que pour chaque message, il y a un peuple bien précis. Pour chaque message, il y a un public bien précis. Et si tu es le public de ce message-là, ça veut dire que c'est toi que Dieu veut changer. C'est toi que Dieu veut transformer. C'est toi que Dieu veut renouveler. Pour qu'au travers de ton changement, de ton renouvellement, au travers de ta transformation, des vies, des nations, des peuples soient transformées. Alléluia. Alléluia. Des vies et des nations. Tes peuples sont consommés par ton canal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser? Écoutez-moi très bien. Donc, quand la Bible parle de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et que je dis que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants et que je suis encore en train de dire que la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Pourquoi? Parce que la parole a un effet à l'intérieur de nous avant l'effet extérieur. C'est pour ça que quelque part dans un Pierre qu'on a lu tout à l'heure, il dit « régénéré par la parole ». Donc, vous avez été régénéré. Quand on utilise le mot « générer », « générer », c'est comme créer, c'est comme produire. Donc, ça veut dire que tu avais déjà un produit. Tu étais le fruit de quelque chose. Peut-être le fruit d'une déception, le fruit d'une humiliation, le fruit d'un rejet, le fruit d'une trahison, le fruit de beaucoup de choses. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu vient pour te régénérer. Donc, ce que tu étais comme produit, là, la parole de Dieu vient pour te donner une autre forme. Métamorpho. La parole de Dieu vient pour te donner une autre forme. Maintenant, écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est accompagnée. Quand je parle, je ne parle pas juste pour parler, mais ce que je suis en train de dire est accompagné de ce qu'on appelle un souffle. Ce qui fait que vous m'entendez, vous percevez le message que je suis en train de donner, c'est un souffle. Permettez-moi de vous donner les quatre symboles du Saint-Esprit, pour ceux qui notent. Le Saint-Esprit est représenté, selon les Écritures, par la Bible, par ce qu'on appelle l'eau, premièrement. Permettez-moi de dire, c'est de mémoire que je suis en train de le dire, par l'eau, par le feu. L'eau, le feu. Oh, Seigneur, merci de me rappeler ce message. Excusez-moi, ce n'est pas un problème. Mais je veux finir par l'eau, le feu, l'huile. Merci, 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 merci. L'eau, le feu, l'huile et le souffle. Il y a quatre points que Dieu m'a permis de comprendre. Les symboles du Saint-Esprit, l'eau, le feu, l'huile et le souffle. Donc, lorsque la parole de Dieu vient, elle ne vient pas juste comme ça, mais elle vient accompagnée du souffle de l'Esprit. C'est pour ça que lorsque nous recevons la parole de Dieu qui est en train de transformer. Merci la colombe. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci, merci. J'avais vraiment besoin de ça. Merci beaucoup. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne la recevons pas juste en tant que parole, mais nous recevons aussi le souffle qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc, nous avons la transformation qu'il faut par la parole, mais aussi par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Je prie que le Seigneur conduise quelqu'un dans toute la vérité. Tu es appelé à une très grande mission. Tu
Tu es appelé à faire de toutes les nations des disciples. Tu es appelé à marquer ta génération. En tant que jeune, tu ne dois pas mourir sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Il y a une raison particulière pour laquelle Dieu a voulu que tu sois sur cette terre. J'ai pour habitude de dire que nous sommes des facteurs envoyés sur terre pour délivrer le colis de Dieu pour notre génération. Nous sommes des facteurs, nous sommes des messagers. Nous avons comme une enveloppe scellée que nous devons livrer à quelqu'un sur la terre, que nous devons livrer à des nations, que nous devons livrer à des peuples. C'est pour ça que tu ne peux pas retourner tel que tu es venu. Tu dois retourner en ayant accompli ce pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Je prie et je déclare que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a emmené sur terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle de Dieu crée en nous le changement du Saint-Esprit. Mais avant ça, il y a l'effet de la parole de Dieu en nous. Je prie que la parole de Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu donne au cœur de quelqu'un d'être humble pour pouvoir avoir à passer par l'école du Saint-Esprit. Lorsque tu passes par l'école du Saint-Esprit, tu apprends des choses, tu apprends des choses, tu découvres des choses, tu apprends, tu gagnes en expérience. Et plus tu es en train de gagner en expérience, plus tu es en train de faire remplir le vase que tu es. Et le vase remplit au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et lorsqu'il arrive en haut et qu'il atteint son paroxysme, il ne reste pas juste plein. Il t'envahit. Et tu n'es pas juste rempli, mais tu es revêtu. Il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit. Avant d'être des témoins, avant d'être des missionnaires, il est important pour nous d'être revêtus du Saint-Esprit. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement. Vas-y, dis Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement. Permettez-moi de finir avec une illustration que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Écris, Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement. Pour accomplir la mission, nous avons besoin du revêtement. Nous avons besoin du revêtement. Nous avons besoin du revêtement. Seigneur, nous voulons le revêtement de ton esprit. Nous voulons le revêtement de ton esprit. Nous ne voulons rien faire sans le revêtement. Nous ne voulons rien faire sans avoir été revêtu de ton esprit. Nous voulons aller, Seigneur, dans toutes les nations, proclamer ton Saint-Nom. Mais nous voulons le faire avec la plénitude et le revêtement de ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est dans l'apprentissage, c'est dans l'école du Saint-Esprit qu'on apprend à nous débarrasser de certains péchés, qu'on apprend à être délivré de certaines chaînes. S'il y a des chaînes qui te relient encore à ton passé, s'il y a des chaînes qui te maintiennent encore dans le péché, je prie que ces chaînes-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ à cause de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement aussi est comme une forme d'onction. C'est pour ça que la Bible dit que l'onction brise le joug. Lorsqu'on arrive au stade de revêtement, il y a des jougs qui sont brisés dans nos vies. Il y a des jougs qui sont brisés dans nos vies. Il faut que les jougs soient brisés dans ton vie. Il faut que les jougs soient brisés dans ta vie. Je veux terminer avec quelque chose. Il y a une illustration du tabernacle avec laquelle je veux terminer. Je veux utiliser cette illustration-là comme étant le symbole de notre vie avec le Seigneur, la manière dont nous sommes censés croître avec Dieu. La Bible parle du tabernacle en commençant par ce qu'on appelle les parvis. Et quand on parle du parvis, quand on parle des parvis, on parle du lieu où le peuple peut venir pour offrir un sacrifice à Dieu. Parce que dans le parvis, il y a ce qu'on appelle la table des holocaustes. Donc, la table des holocaustes est là pour qu'il y ait des sacrifices qui se font. Donc, le peuple pouvait venir faire un sacrifice, voir un sacrifice à Dieu. Quand il venait, c'était aussi pour l'expiation de leur péché. Donc, ils peuvent venir, ils parlent sur l'animal, et puis, quand on extrait le sang de l'animal, la fumée monte à Dieu, Dieu reçoit cela et tout.
Et toutes ces choses qui se faisaient là, c'était à la première étape qu'on appelle les parvis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas encore arrivés dans les parvis parce que quand je parle de parvis, quand je parle de sacrifice, je suis en train de parler de quelqu'un qui a conscience qu'il a besoin de sacrifier toute sa vie au Seigneur. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a conscience qu'il a besoin de tout le temps se repentir, de chercher la sanctification. Parce que le symbole de l'expiation du péché par le sacrifice, par l'Holocauste, était aussi un autre symbole de sanctification. C'est pour ça que si tu es encore à l'étape où tu pèches, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu pourrais être comparé à cette personne qui ne vient que pour l'expiation de ses péchés. La personne qui vient juste, qui affronte l'autel des holocaustes. Il y a une autre étape après l'autel des holocaustes, lorsqu'on finit d'utiliser l'animal, le sang est sur nous et tout ça, donc il est important pour nous de nous laver les mains. Et il y a après l'autel des holocaustes, après la table des holocaustes, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. Donc la cuve des reins contient une eau. Et dans cette eau-là, on peut utiliser cette eau-là pour nous laver les mains, pour nous laver les pieds, pour nous laver. Donc le souverain sacrificateur, quand il finissait de faire l'offrande, il pouvait partir là-bas à la cuve des reins pour se laver les mains, les pieds et tout. Et quand il se sentait bien dans l'état qu'il faut de façon physique pour entrer, pour accéder au lieu saint, il le faisait. Écoutez-moi très bien. Il y a un type de chrétiens qui savent se repentir. Ils savent tomber, ils savent se relever. Il y a un type de jeunes aujourd'hui que nous sommes qui nous savons vraiment tomber, nous relever. Je veux vraiment encourager quelqu'un à... Il est important pour toi de faire des efforts aussi. Le truc et l'avantage que tu as lorsque tu es en train de... Tu es à l'école du Saint-Esprit, c'est que tu ne fais pas des efforts de tes propres forces, mais tu fais des efforts avec l'appui du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de l'appui du Saint-Esprit pour que tes efforts aient un sens, pour que tes efforts puissent payer, permettez-moi de dire ça comme ça. Donc, tes efforts pour vivre la sanctification ne peuvent pas payer si le Saint-Esprit n'est pas là pour soutenir ses efforts. C'est pour ça que Paul pouvait dire que je traite durement mon corps, j'assujettis ma chair. Donc, il y a des efforts que Paul fournit pour pouvoir traiter durement son corps et sa chair, de sorte à ne pas pécher contre Dieu. Donc, il y a des efforts que nous faisons. Mais l'avantage que nous avons lorsque nous sommes en train d'être remplis du Saint-Esprit, c'est que nous ne faisons pas ça seul. Et lorsque nous sortons de cette étape-là, nous avons tendance à vouloir à tout prix être sanctifié, être pur devant Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cuve des reins. On est sanctifié devant Dieu. On est pur devant Dieu. Et lorsqu'on est pur, on rentre dans le lieu saint. Il y a des chrétiens qui doivent sortir de l'étape de toujours se repentir, toujours lutter avec le péché pour arriver à cette étape-là où ils pourront rentrer dans le lieu saint. C'est pour ça que j'ai dit que je vais prendre ces différentes étapes du tabernacle pour pouvoir les comparer à notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, tu as commencé par les parvis, d'accord. Tu es arrivé au stade où tu peux même faire des offrandes au Seigneur, tu peux s'aimer, faire des offrandes, faire des aumônes, tu peux faire beaucoup de choses, payer ta dîme et tout ça. Mais il n'y a pas que ça, Il faut vivre une vie de sanctification. La cuve des reins est le symbole aussi d'une vie de sanctification. Et après, quand tu sors de ces deux étapes-là, avant même d'arriver même au lieu saint, lorsque tu es dans les parvis, il est facile pour toi d'entendre ce qui se dit dehors. Il est facile pour toi d'entendre ce qui se raconte dehors. Il est facile pour toi que ton oreille puisse entendre quelque chose, que quelqu'un même puisse t'appeler, que tu sois distrait. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous sommes confrontés à beaucoup de choses qui nous distraient. Nous sommes distraits dans notre vie, nous sommes distraits dans notre marche avec Dieu, nous sommes distraits dans même les activités que nous entreprenons, nous sommes distraits dans tout ce que nous faisons, tout simplement parce que nous sommes encore dans les parvis. Vous savez, arrivé à un certain moment, à un moment donné là, on ne regarde tellement plus à... Il y a certaines choses qui ne nous intéressent plus. On est concentré sur... On veut aller loin avec le Seigneur. On veut vivre les profondeurs de Dieu. Et on veut tellement aller loin avec Dieu qu'on n'a pas le temps à perdre avec des futilités. Et quand tu es dans le parvis, tu peux entendre la musique mondaine. Ça peut te plaire.
tu peux trouver du plaisir à écouter Fally, à écouter Beyoncé, à écouter... Seigneur Jésus, le nom là. Kérosène, DJ, tu peux prendre du plaisir à écouter... J'allais dire Arafat, mais il est mort. Tu peux prendre du plaisir à écouter tellement de choses parce que tu es encore dans les pavis. Tu peux être encore partagé parce que tu es dans les pavis. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit viendra pour nous convaincre de péché, la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit viendra pour nous conduire à la repentance véritable. Mais la repentance véritable n'est pas juste le fait de faire d'après les Hébreux. En fait, ils appellent la repentance comme faire un tour, carrément un tour. On ne fait pas un demi-tour, un quart de tour, on fait tout un tour. C'est comme ça qu'ils voient la repentance. Donc, ce n'est pas une question de faire un demi-tour ou un quart de tour. C'est faire un tour carrément. C'est-à-dire, je suis là, arrêté là, maintenant, comme ça. Je suis en face de vous et je me retourne carrément. C'est ça que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, quand je me retourne, je ne regarde plus ce qui était en face de moi avant que je ne me retourne. Je regarde à quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Il vient pour non seulement nous convaincre de péché et de justice, mais en même temps, il vient produire en nous une certaine conscience et une certaine... On prend nos gardes par rapport au péché. J'espère que vous me suivez. Hein? Donc, quand la Bible parle de se retourner, quand il s'agit de repentance concernant les Hébreux. Pour les Grecs, la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne vient pas aussi seulement pour non seulement te faire faire un tour, mais il vient aussi pour que ta mentalité soit changée. Et donc, avant même que Paul n'arrive au changement de mentalité, il dit, bien-aimés frères, offrez vos vies comme un sacrifice vivant, agréable et sain à Dieu. Ce qui sera un culte raisonnable de votre part. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dans les pavis, là, on fait un sacrifice de notre vie à Dieu. On vit dans la sanctification. Mais après ça, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a un travail constant du Saint-Esprit dans nous, dans notre corps, au-dedans de nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mentalité qui change. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains 12, le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Il y a quelque chose qui doit changer dans notre mentalité. Et toutes ces choses-là, c'est le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes en train de faire le sacrifice, le Saint-Esprit est avec nous. Pendant que nous sommes en train de vivre une vie de sanctification, le Saint-Esprit nous aide. Et lorsque nous sommes en train de sortir du parvis pour aller au lieu saint, lorsque nous sommes en train de franchir le lieu saint, la première chose que nous découvrons, c'est la table des pains de proposition. La table des pains de proposition est le symbole, le pain est le symbole de la parole de Dieu selon la Bible. Donc, lorsque nous sommes en face de la table des pains de proposition, c'est des choses que vous pouvez lire dans Exode 38. Voilà. Quand nous sommes en face de la table des pains de proposition, nous sommes à l'étape où nous ne sommes pas juste limités à aller à l'église. Comme je disais, à juste faire les offrandes, à juste aider les veuves, les orphelins. C'est pas seulement ça. Mais on est dans la parole de Dieu. Il faut que nous arrivions à cette étape-là où nous cherchons Dieu dans sa parole. Où nous cherchons Dieu dans sa parole. Il faut que tu cherches Dieu dans sa parole. La régénération que tu dois avoir, la transformation qui doit se faire à l'intérieur de toi, se fait dans la parole de Dieu. Donc, quand tu rentres dans le lieu saint, tu trouves ce qu'on appelle la table des pains de proposition. Donc, il faut pour toi chercher la parole de Dieu. Il faut pour toi chercher Dieu au travers de sa parole. Je veux encourager un jeune. Peut-être que tu as une Bible juste comme ça, mais il faut que tu te trouves une Bible d'études. Peut-être que ça va te coûter cher, mais rien n'est cher lorsqu'il s'agit de la connaissance. La connaissance ne coûte jamais cher, peu importe le prix que tu paieras. Donc, va dans une bibliothèque chrétienne, une librairie chrétienne, et achète-toi une Bible d'études pour étudier véritablement la parole de Dieu.
Tout à l'heure, je parlais avec certains mots en hébreu, en grec et tout. C'est dans l'étude de la parole de Dieu qu'on découvre toutes ces choses. Et quand tu as toutes ces choses-là, ça te permet de comprendre un peu plus facilement les Écritures. J'espère que vous me comprenez. Et quand je parle de table de pain de proposition, c'est qu'il faut que tu sortes de l'état de... tu fais les aumônes, tu fais tout ça, tu fais les offrandes pour arriver à l'étape où tu cherches Dieu dans sa parole. Mais vous savez ce qui se passe? La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Après la table des pains de proposition, on trouve le chandelier. Le chandelier est le symbole du Saint-Esprit. Et donc, quand on a le chandelier est la seule lumière qui éclaire dans le lieu saint. Ça veut dire que lorsque j'ai la parole de Dieu, je ne saurais pas interpréter cette parole. Je ne saurais pas parler de cette parole. Je ne saurais pas voir Dieu au travers de sa parole si le Saint-Esprit n'est pas là pour m'éclairer. Est-ce que quelqu'un comprend le message que je suis en train de prêcher? Donc, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Christ vient en tant que parole, mais il dit que j'ai été juste une partie de la vérité parce que le Saint-Esprit viendra pour vous conduire dans toute la vérité. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas toute la vérité. Nous aurons une partie de la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir une révélation complète, une révélation qui commence depuis 0% jusqu'à son terme, une révélation qui arrive jusqu'à son accomplissement, une révélation qui arrive jusqu'à son fin de téléchargement, à sa fin, pardon, de téléchargement, une révélation qui arrive jusqu'à son aboutissement. C'est le Saint-Esprit qui produit cette chose-là en nous. Donc, on peut avoir la parole de Dieu, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est zéro, les gars. On a besoin du Saint-Esprit. Donc, même pour pouvoir donner, offrir nos vies au Seigneur, offrir nos vies en sacrifice, on a besoin du Saint-Esprit. Même pour pouvoir vivre dans la sanctification, on a besoin du Saint-Esprit. Même pour étudier la parole, on a besoin du Saint-Esprit. Même pour marcher selon l'Esprit, on a besoin de naître par l'Esprit. Il dit, si tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'es pas fils, tu ne peux pas marcher par le Saint-Esprit. Oh, Rato Shataraba, Seigneur, aide-nous à comprendre ce message. C'est pour ça qu'on trouve le chandelier. Le chandelier éclaire le lieu saint. C'est une autre dimension. Donc, permettez-moi d'appeler cette dimension la quatrième dimension. Et après cette quatrième dimension, il y a la cinquième dimension. On appelle l'autel des parfums et elle se trouve aussi dans le lieu saint. Pardon, il se trouve l'autel, un autel. Il se trouve dans le lieu saint. Donc, l'autel des parfums, c'est le symbole du chrétien qui est constamment en train de parler en langue. Parce que la Bible dit que la prière des saints est comme un parfum qui monte à Dieu. Donc, quand nous sommes rabo, chatarabo, reketaraba, tous les jours, nous sommes comme en train d'élever un parfum qui monte à Dieu. C'est pour ça que quand tu finis d'étudier la parole de Dieu et quand le Saint-Esprit a fini de t'éclairer, il est important pour toi de rababater. Dis avec moi, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est important pour toi de rababater. Il faut que tu puisses rababater. Il faut que tu puisses parler en langue constamment. Paul parlait constamment en langue. Paul parlait constamment en langue. Et Paul avait compris l'importance et il a partager avec nous l'importance de parler. Certaines dimensions, il faut commencer à parler en langue. Si tu es un chrétien parmi nous, tu es un jeune qui ne parle pas encore en langue, il faut demander au Seigneur de te donner le don de parler en langue. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à autre chose. Dieu n'est pas fidèle aux proverbes du monde, aux adages du monde. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, si je me retrouve dans la présence de Dieu, ce n'est pas avec les proverbes du monde que je vais prier. Ce n'est pas avec les adages du monde que je vais prier. Ce n'est pas avec les citations du monde ou même les citations même des chrétiens que je vais prier. Je vais prier avec la parole de Dieu. Je suis malade.
Le temps que l'orateur se connecte, on va continuer en prière. Là où tu te trouves, tu peux lever la voix et prier pendant que l'orateur se connecte. Les basaka la brandi, ikalando sous la brandi, ilendo shabandi, les sonta la bra, les tomane shala kint loro kinta brandi yondo loro sata ide. Mai kanda loro sata la brandi shaya, ilos mande rebaha, zita lo brondi, ikande lero sonta la baidi. Aidi sonto loro unte le brandi, ashanda la brandi, ikele stobante, la brand sutto lone hinte le brand ashala bayanta la kento lodo sata yaba et le brand sutta yama. Ce soit l'orateur a parlé du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Ma libro sutta yama, là où tu te trouves, dis Seigneur, ce soit j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton revêtement pour accomplir la mission à laquelle tu m'as appelé. La Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 10, que Dieu a préparé d'avant des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Les rabbins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Permettez-moi de rapidement finir, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai eu un souci de connexion. Excusez-moi. OK. Donc, je termine rapidement. Donc, ce que je suis en train de dire est tellement simple. Arrête cette étape de bébé spirituel, de népios, où tu es encore dans, comme j'ai dit, je paye ma dîme, je fais mes offrandes et tout. Moi, quand je vais à l'église, je fais... Non, il n'y a pas que ça. C'est important pour toi de passer à une autre étape, de vivre une vie de sanctification. La sanctification n'est pas exclue dans ta marche avec le Saint-Esprit. Elle est importante dans ta marche avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu n'as pas besoin de te sanctifier. Elle est importante pour pouvoir conserver la présence de Dieu avec toi. Quand la Bible dit qu'à tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire dont il est question ici, c'est la Shekinah de Dieu. La Shekinah est le symbole de la présence de Dieu. Donc, quand la Bible dit qu'à tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, la Bible est en train de dire qu'à tous ont péché, sont privés de la présence de Dieu. Donc, le péché nous prive de la présence de Dieu. Pourtant, nous avons besoin d'être dans la présence constante de Dieu. Si vous constatez très bien, vous allez vous rendre compte que entre la table des pains de proposition et la table des parfums se trouve le chandelier. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre la parole, pour pouvoir prier en fonction de la parole, pour pouvoir avoir des interprétations et des rémas de la parole, il faut le Saint-Esprit pour pouvoir être poussé dans une profonde prière en esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il est comme au milieu de ces deux. Et quand tu es en train de prier, tu pries en fonction de la parole de Dieu. Après, tu es en train de prier avec le Saint-Esprit. Rabo, Shata, Rabba. Vous savez ce qui se passe? Il y a comme quelque chose qui se produit dans le monde spirituel. Parce que juste après la table des parfums, vous savez ce qu'il y a? Il y a le voile. Le voile est le symbole de toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Ça veut dire que tu peux avoir toutes ces choses-là, mais être encore derrière le voile. Parce qu'après le voile, vous savez ce qu'il y a là-bas? Il y a l'arche de l'Éternel, il y a l'arche de l'Alliance. C'est là-bas que se trouve Kabot. Oh Seigneur, donne-nous d'arriver à cette étape. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas un chrétien juste pour rester à l'étape des pavis. Tu n'es pas un chrétien pour rester juste à l'étape du lieu saint, mais tu es un chrétien pour aller jusqu'à l'étape du lieu très saint, là où se trouve l'arche de l'Alliance. Tu n'es pas un chrétien juste pour chercher des petites choses, pour faire de petites choses, pour apprécier ce que les autres font comme miracle, comme prodige, mais tu es un chrétien pour faire des prodiges, pour faire des miracles. Et Dieu t'envoie en mission pour cela. Tu es jeune, ce n'est pas ton âge qui compte. David n'avait pas 20 ans, n'avait pas 40 ans quand il était en face de Goliath. David avait l'âge qu'il lui fallait. Écoute-moi, tu as l'âge qu'il te faut pour pouvoir faire des exploits avec le Seigneur. Tu as l'âge qu'il te faut. N'attends pas derrière, n'attends pas devant. Tu as l'âge qu'il te faut. Tout ce que je pourrais te demander, assure-toi d'être rempli du Saint-Esprit jusqu'à être revêtu du Saint-Esprit avant de te lancer dans quoi que ce soit. Comme je disais, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité.
Et j'ai déjà prêché ce message le dimanche dernier dans une église. J'étais en train de leur dire que la plupart des gens aujourd'hui ont des révélations, mais ils n'ont qu'une partie de la révélation. Et quand ils ont une partie de la révélation, c'est tellement éblouissant qu'ils sont pressés de venir donner la révélation qu'ils ont reçue. Pourtant, ce n'est pas la totale révélation. Et quand ils donnent la révélation comme ça, elle devient un problème dans le corps de Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été jusqu'à son téléchargement complet. Et pourtant, une révélation qui n'est pas arrivée jusqu'à son téléchargement complet est une révélation qui va prêter à confusion. Parce qu'une autre révélation qui n'est pas arrivée à téléchargement complet viendra pour être comme une confusion dans les oreilles de ceux qui les entendront. Mais lorsqu'une révélation arrive à son téléchargement complet, elle est une révélation pour plusieurs nations. Et quand une autre révélation qui est arrivée à son téléchargement complet vient, elle vient juste pour additionner ce qui était là. Elle vient juste pour compléter. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'opposition par rapport à certaines doctrines, certaines lois, certaines choses, certaines révélations même. Il y a beaucoup d'opposition par rapport à certains rémas. Pourquoi? Parce que les gens sont juste rentrés dans la présence de Dieu. Quand ils ont vu, waouh Seigneur, waouh c'est fort, waouh c'est fort, ils ne cherchent pas à écouter Dieu jusqu'à la fin. Ils ne permettent pas au Saint-Esprit d'aller jusqu'au bout de la révélation. Parce que la révélation a une période. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, on n'a pas le temps, sinon j'allais pousser. J'allais rentrer dans Habacuc pour vous faire comprendre que la révélation a une période. Elle est périodique. Elle opère sur une période. Elle a une période de permettez-moi, comment je vais dire, de validation, mais de quoi, je ne sais pas comment j'ai utilisé le terme que j'ai utilisé, mais elle a une période bien précise. Et c'est pour ça que permet à Dieu de te parler jusqu'au bout. Ne t'arrête pas à 15% ou à 25%. Et tellement c'est fort, tu es pressé de venir dire. Et quand tu dis, ça, les gens sont confus, les gens ne comprennent même pas ce que tu es en train de raconter. Ou bien, les gens comprennent, mais quand un autre vient donner sa révélation, c'est comme si ce n'était pas pareil. Écoutez-moi très bien. Si tu as reçu une vision de Dieu, cette vision est comme une révélation pour toi. Assure-toi de rester dans la présence de Dieu. Entendre Dieu te parler. Entendre Dieu te parler. Sois sûr que Dieu est en train de te parler. Est la confirmation de ce que Dieu t'a parlé. Et puis, lance-toi dans la vision. Ne te jette pas sans avoir été convaincu que tu as reçu le OK du Seigneur. Sinon, c'est poteau, les gars. C'est poteau. C'est poteau. Je me rappelle quand je suis arrivé en Russie, j'ai trouvé une communauté anglophone qui était très forte, qui était très réveillée, qui était très vivante en Russie. Et puis, moi, je suis arrivé, je me suis rendu compte que la communauté francophone, il n'y avait rien qui se faisait, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas d'activité. Et les francophones, les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, ils étaient toujours dans les boîtes de nuit et tout ça. Ils aimaient le chaud, en tout cas, dans la ville. Et moi, j'ai senti le fardeau. Le fardeau était fort dans mon cœur. Je vous assure, quand Dieu met un fardeau dans votre cœur, là, c'est comme si vous avez la pression. Vous avez la pression. C'est-à-dire, c'est comme s'il faut faire ça demain en même temps. Mais Dieu merci, je suis passé par la bonne école du Seigneur. Dieu merci. Le fardeau était fort dans mon cœur. Je pouvais commencer d'aimer en même temps. De toute façon, c'était fort là. Mais non, je me suis calmé. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Et vous savez, j'ai passé au moins un an comme ça dans la présence de Dieu, en train de chercher Dieu sur comment je vais commencer, sur où je dois commencer, sur le lieu où comment les choses doivent se passer. Et je me rappelle que j'ai écrit tout le plan de l'œuvre des francophones qui a été établi en Russie là. J'ai écrit tout. Aujourd'hui, je ne suis même pas là-bas, mais le fonctionnement, ça continue. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine de voir le téléchargement commencer de 0% à 100%. J'aurais pu me lancer dans quelque chose avec la fougue de la vision. Peut-être que j'aurais pas pu laisser quelque chose, un héritage. En quittant de la Russie, j'allais juste apprendre que oh, ce que tu as commencé là, c'est fini. Les gens sont partis, c'est fini. Mais Dieu fait grâce. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore là. On est encore là. Je ne suis pas là-bas, mais je suis avec eux parce que je participe à toutes leurs activités. Pourquoi je suis en train de raconter ce témoignage? Parce que la plupart d'entre nous ont des visions. Mais quand tu as des visions là,
quand Dieu te donne la vision, quand il te donne la révélation, parce que comme je vous dis, la vision est une révélation, il faut permettre à cette vision-là d'aller jusqu'au bout. Il faut l'écouter jusqu'à sa fin. C'est ainsi que tu sauras comment tu dois commencer et jusqu'à où tu dois aller. Il y a des fois où Dieu t'attend de façon saisonnière, permettez-moi de dire ça comme ça, juste pour une saison, mais toi tu es là pour t'éterniser. Mais Dieu a besoin de toi juste pour un court moment. Mais tu n'as pas pris la peine d'écouter la révélation jusqu'au bout. Donc tu t'entêtes dans quelque chose. Je ne suis pas en train de parler de persévérance, je parle d'entêtement. Tu t'entêtes dans quelque chose pour lequel Dieu ne t'a même pas appelé du tout. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de finir. Donc on finit avec l'autel des parfums. Il faut que tu arrives à ce stade où tu parles constamment en langue. Il y a le voile. Le voile est le symbole des ennemis de notre vie et tout ça. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Nous avons à lutter contre les autorités dans le monde des ténèbres. Donc, il y a un combat spirituel quelquefois à mener. Et c'était à ce combat-là que Christ était arrivé dans le désert. Il a mené ce combat-là. Et quand il a remporté ce combat-là, le voile a été déchiré de façon spirituelle. Et donc, quand nous avons franchi ces six premières étapes que nous arrivons au voile, il faut pouvoir affronter. Il y a des réalités dures, il y a des réalités compliquées, il y a des réalités difficiles, il y a des réalités qui nous donnent l'envie d'abandonner. Mais les gars, si persévérance a été écrite dans la Bible, ça veut dire que même en tant que chrétien, c'est un signe que rien ne sera toujours facile pour nous. Il y a des moments où il faudra pour nous persévérer. Et je prie que Dieu te rende persévérant au nom de Jésus-Christ. Et dans ta persévérance, il y aura des combats spirituels que tu vas mener. Dans ta persévérance, il y aura des oppositions auxquelles tu vas faire face. Mais il faut que tu puisses franchir ces oppositions-là. Parce que juste après ces oppositions-là, il y a Kabod. Il y a l'âge de l'éternel. Il y a l'âge de l'alliance. La Bible parle de Kabod. La Bible parle de Kabod. Quand l'âge de l'éternel est parti, ils ont utilisé le mot Ikabod. Ça veut dire l'âge de l'éternel est parti. Sans l'âge de l'éternel, l'âge de l'éternel a été pris. Donc, il a, c'est comme sans l'âge de l'éternel. Donc, sans Kabod. J'espère que vous me comprenez. Donc, Kabod, là, pour arriver à Kabod, là, le Kabod vient du même mot qui a la racine, la même racine que le mot foi, en hébreu, qui signifie Kébet. Donc, on a Kabod, mais avant ça, il y a Kébet. Donc, on ne peut pas parler de Kabod sans parler de Kébet. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on reçoit comme foi, comme puissance, là, elle vient de la parole de Dieu. Donc, la foi produit en nous la puissance, mais la parole de Dieu transforme des choses en nous pour que nous soyons capables de transformer des vies en face de nous. Alléluia. Et lorsque tu arrives à ce stade-là où tu dépasses tout ce que j'ai cité précédemment et que tu arrives à ce stade de l'âge de l'alliance, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Tu arrives au stade où tu n'es pas juste dans la présence de Dieu, mais tu transportes la présence de Dieu. Que Dieu fasse de nous des personnes qui ne sommes pas juste dans la présence de Dieu, mais qui transportons la présence de Dieu. Quelqu'un peut aller à l'église, il est dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut aller dans un endroit où nous sommes en train de prier. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. C'est la présence de Dieu. Mais je parle de quelqu'un qui, même quand il sort de cette présence-là, il ne ressort pas seul. Il ressort avec Jésus de Nazareth. Il ressort avec Kabod. Il ressort avec toute l'autorité, toute la puissance et toute la gloire de Dieu. Il ressort avec la présence de Dieu. Donc, il n'est pas juste quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ou qui a été dans la présence de Dieu, mais il est quelqu'un qui a la présence de Dieu, qui transporte la présence de Dieu. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui transporte la présence de Dieu. Que le revêtement fasse de toi quelqu'un qui transporte la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore été plein du Saint-Esprit, que tu reçoives la plénitude de Dieu au nom de Jésus-Christ et qu'elle puisse déborder pour que tu puisses recevoir le revêtement et que tu sois un transportateur de la présence de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que nous allons prier Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Si tu cherches un homme, si tu cherches une femme, je suis prêt. La Bible dit dans le livre de Actes que le Seigneur a trouvé David. Il dit au travers du prophète Esaïe, je cherche un homme. Mais quand on lit Actes, la Bible dit, Dieu a trouvé David. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, et Dieu a besoin de te trouver. C'est toi qu'il veut trouver. Ce soir, nous allons prier ensemble, et tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt à passer à ton école, je suis prêt à passer par ton école. L'école par laquelle tu veux me faire passer, je suis prêt à passer par cette école. Parce que j'ai besoin d'être rempli. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça avec moi? Dis, Seigneur, je suis prêt à passer par ton école. Je suis prêt à passer par ta formation. Je suis prêt à être préparé pour ce que tu me réserves, pour ce que tu veux faire avec moi, pour ce que tu veux faire en moi. Je suis prêt. Vas-y, parle au Seigneur. Vas-y, parle au Seigneur. C'est juste ce dernier sujet de prière, là. C'est ce seul et ce dernier sujet de prière, et puis je vais vous laisser. Parle au Seigneur de là où tu es. Dis, Seigneur, je veux transporter ta présence. Je suis prêt. Trouve-moi, Seigneur. Je me laisse trouver. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Continuez à prier dans ce sens. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée à vous. Amen, amen. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Saint-Esprit. Je me livre totalement à Abba Père, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement en cette nuit à part. Je me livre totalement, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, oui ce soir, Abba, je me mets au devant de toi. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux t'abandonner au Seigneur? Tu peux t'humilier devant le Seigneur. Je me livre totalement. Oh, Abba Père. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
Je me lie totalement, mon esprit, mon âme et mon cœur. Je me lie totalement, libra sora mandere boshaya. Je me lie totalement, tu peux m'utiliser. Je me lie totalement, Abba Père. Je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lie totalement à toi, Seigneur Jésus. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement sur ton trône, sur l'autel d'or devant de ton trône ce soir. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Les brandocha la bayonta la brandi, les sota la mante, les bachata. Bien-aimé, ce soir tu as entendu la parole que le Seigneur a envoyée. Dieu ne fait rien sans sa parole. Ce soir tu vas encore prier. Peut-être que tu as déjà eu à prier pour ce sujet, mais tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir j'ai besoin d'une transformation. Je veux que ce soit la transformation totale, Seigneur, parce que tu veux nous utiliser, Seigneur, parce que tu veux nous revêtir de ta puissance. Mais Seigneur, tu commences d'abord par transformer nos cœurs. Tu commences d'abord à nous rendre à l'image et à la ressemblance de Jésus. Tu commences d'abord à imprimer en nous ton cœur, à nous remplir du Saint-Esprit, à remplir nos cœurs des sentiments de Jésus, à remplir nos cœurs des pensées de Jésus, afin que nous soyons irrépréhensibles devant toi, afin que nous soyons sans et parfaits à tes yeux, que tu puisses nous utiliser pour gagner des nations, tu puisses nous utiliser pour pratiquer, Seigneur, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour la gloire de ton nom. Oh Père, ce soir, nous avons besoin d'être totalement changés, nous avons besoin d'être totalement restaurés, nous avons besoin d'abandonner, Seigneur, toutes les œuvres de la chair qui sont encore présentes dans nos vies. Alors, c'est pourquoi, Père, ce soir, nous venons au devant de toi, Seigneur. Nous venons nous offrir, Seigneur, comme holocauste sur l'autel d'or devant ton trône. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Peut-être que tu as encore des luttes, tu as entendu le message. La grâce du Seigneur est là, la puissance du Saint-Esprit est là pour accélérer ta restauration, pour accélérer ta transformation, pour accélérer ta délivrance, pour accélérer le changement dans ta vie. Peut-être que tu as prié, tu as supplié le Seigneur, tu as jeûné, mais il y a encore ces luttes, il y a encore, oui, ces oppressions de l'ennemi, il y a encore ces problèmes que tu vis, ces limitations, ces servitudes, ces souffrances que l'ennemi a imposées à ta vie, à ta famille. Ce soir, la grâce du Seigneur est là pour te changer. La grâce du Seigneur est là pour nous changer. Alors, bien-aimé, prie, 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 prie. La bachata dit, Seigneur, je me livre totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. La braïdikente land satayaba, les sotayaba. Pendant que tu es en train de prier, cette grâce du Seigneur vient sur ta vie. Pendant que tu es en train de prier, cette onction du Seigneur vient sur ta vie. Pendant que tu es en train de prier, une puissance de libération vient sur ta vie. Une puissance de transformation vient sur ta vie dans le nom de Jésus. Reçois-la là où tu te trouves. L'abrahissata la baha. Que ce soit la nuit du changement, que ce soit la nuit de la transformation, que ce soit la nuit où le Seigneur imprime en nous son cœur pour pouvoir nous utiliser. Il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. La brahata yama shata yama. Et la brassata, la particularité de cette église glorieuse que Jésus-Christ revient chercher, c'est une église avec le cœur de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le cœur de Jésus. Ce sont les hommes et les femmes transformés à son image, en qui Dieu déverse pleinement son onction, en qui Dieu accorde la plénitude de l'esprit pour pouvoir impacter les nations pour sa gloire. La brassiandereboshata, la kosobradia, la massata, l'onction que le Seigneur a répondu depuis le début de ce programme, c'est une onction de transformation, parce que Dieu veut nous transformer de l'intérieur afin de pouvoir nous revêtir. Et ce soir, il relâche une onction. Le revêtement commence ce soir, le revêtement commence ce soir, mais encore ce soir, le Seigneur veut faire encore veut accomplir encore une transformation de l'intérieur.
avant de répandre l'onction, le revêtement, les jours qui arrivent. Alors, bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore. Peut-être que c'est la première fois que tu te connectes aujourd'hui, mais la grâce du Seigneur est là pour toi. La grâce du Seigneur est là pour toi. Tu es comme ces derniers ouvriers, c'est comme ces ouvriers de dernière heure. Oh, bien-aimé, la grâce du Seigneur est pour toi. Toi qui t'es connecté aujourd'hui, le Seigneur te parle ce soir. Alors, prie pour la transformation, prie pour le changement, prie pour le changement, prie pour la restauration de ton âme, prie pour la délivrance. Prie, malabasata yada, ilo somande, libra kosianta, elendo shando lobrahande sata labra, le costomane hita labra di shande, le costomanta, la soto lobahaya, shalabra de hitolosa. Pradia asuto lono bakataya le sataya bashande loho takaya basata ilento robo shande le bradia la kasoto lobo shande le braha ele basataya bababa. Oh Seigneur, tu nous transformes de l'intérieur. Ce soir, tu nous aides à abandonner nos péchés. Tu nous aides à olabashata. Tu restons nos âmes malabrasuta yaba eleko sumandereba. Merci pour ta grâce, Père. Merci, Saint-Esprit. Le rebo santa labai. O libro stamane chata la baba. Merci, Saint-Esprit. Oh, son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Le Saint-Esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Merci Saint-Esprit pour les transformations. Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Merci Saint-Esprit parce que ce soir, tu changes notre histoire. Ce soir, tu nous transformes. Ce soir, tu fais de nous de nouvelles personnes. Ce soir, tu rends toutes choses nouvelles. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Que toute la gloire te revienne. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la gloire revienne à notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons donner un bon amen à Jésus? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons démuter et donner un bon amen à Jésus? Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur, en tout cas pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Dimitri Kwaku. Je l'appelle affectueusement aîné. Amen. J'aime beaucoup sa simplicité. C'est un homme de Dieu vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il est très simple, il est doux et il est beaucoup ouvert. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, et, merci. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu. Merci.